Tac, j'arrive. Je suis à vous. Alors, hop, Mario Kart. Putain, je sais... Alors, attendez, Mario Kart, 8 Deluxe, tournoi à 20h30, ouais. Hop, tournoi à 20h30, hop, j'enlève ça, tac. J'arrive, hein, les copains, vous inquiétez pas, je récupère ça, on va aussi lancer le stream, hop, on démarre le live sur TikTok, vous inquiétez pas, hop, je suis en train de faire plein de choses, j'ai beaucoup de choses à faire en simultané, normalement on est bon, ok, normalement on est bon. J'ai le jeu, mais j'ai... Voilà, c'est parfait, c'est très bien. Alors, vous avez vu, oui, j'ai un petit peu joué à Mario Odyssey, d'ailleurs. Merde, alors, il fallait pas que je fasse ça. J'ai un petit peu joué à Mario Odyssey et j'ai un peu avancé. J'ai un peu avancé, j'ai un peu step up, vous allez voir. Vous verrez vendredi. Vous verrez vendredi, ce sera PB Mario Odyssey. Ça marche, y'a pas de soucis, Auxence, y'a aucun souci. Bah, je suppose si en plus tu vas manger, y'a aucun souci. Les Sims barbants. Mais en fait, c'est pas que c'est barbant. Mais en fait, comme dit Razi, qui l'a très bien expliqué... Si je pense que tu te mets pas de défi ou quoi, bah, ou alors, après, après moi de mon côté, je suis pas non plus, je pense, le public. Genre, moi, les Sims, même si c'est un. Même si c'est un jeu de gestion un petit peu, genre, je sais pas, ça me fait pas. Ça m'a jamais trop fait kiffer en vrai. Ça m'a jamais trop fait kiffer, donc je pense pas que je sois le public cible non plus. Même si, en fait, de base, genre, j'aime quand même bien les jeux de gestion, ça, bof, c'est pas un vrai kiff les Sims. Oui, les pouep pouep. Voilà, ménage fini. Maintenant, le dilemme. Me bouger le cul pour cuisiner ou bien commander un McDo? En vrai, go se bouger le cul pour cuisiner, Maxiz. En vrai, go, 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 c'est important. Hop, 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 hop. Ouais, on va se mettre ça comme ça. Donc, ouais, n'hésitez pas à rejoindre si vous voulez, si vous voulez faire des petites games. Donc, non, on va boire de l'eau aussi. Buvez de l'eau, c'est important. Faudra aussi que je remette le... Faudra que je retrouve le code du tournoi, my bad. On ira le checker tout à l'heure, c'est pas dramatique. Mais en vrai, les jeux de gestion, c'est super, hein. Franchement, c'est trop cool. C'est vraiment trop cool, les jeux de gestion. Mais c'est vrai que les Sims, j'ai pas, genre, un vrai kiff à y jouer. Genre, j'avais déjà joué une fois en stream, parce que du coup, j'avais acheté les Sims 4. Bon, je l'avais acheté quelques euros. Mais j'ai vraiment pas kiffé. Après, il y a des gens qui adorent, et je vois ça, et ça fait plaisir à voir. Genre, ça m'arrive de regarder des vidéos sur les Sims, parce qu'il y a des trucs, il y a des défis qui sont rigolos. Mais c'est vrai que moi, de mon côté, c'est pas ouais, un jeu qui me transcende, on va dire. Si quelqu'un a le code pour avoir de l'argent sur les Sims, mais IRL, je prends mes MP, sont ouverts. Moi, je suis chaud aussi, hein. Si on peut avoir le glitch au bas, triangle, gauche, droite, R2, L2, pour avoir thune illimitée, je suis chaud. Si la plaque de cuisson est toute propre. Bah, après, ça va, tu repasses un coup. Tu repasses un petit coup après. Mais ça dépend ce que t'as au frigo, quoi. Ça dépend. Super caillou. S'il sort pas sur Twitch, il peut pas aimer. Bonsoir, mais non, mais c'est parce que j'ai la flemme de jouer à des jeux PC. Et merci beaucoup Florian, le bébé Twitch. Merci beaucoup pour les 9 mois d'abonnement. Merci beaucoup. Comment ça va Florian? Merci beaucoup en tout cas pour les 9 mois. Tu vas bien. Tu passes une... je sais pas si t'as encore... si t'as fait ta rentrée ou pas, mais j'espère que ça se passe bien. J'espère. Mais en vrai, si David, je joue à des jeux qui ne sont pas sur Switch. En vrai, on a joué, tu vois, on a fait Cult of the Lamb, on a fait Stray, on a fait des jeux qui sont pas sur Switch. Mais c'est vrai qu'en vrai, c'est beaucoup plus simple à moi de jouer sur des jeux qui sont sur Switch que le reste. Genre après, en vrai, maintenant, genre, je peux aussi capturer ma PS4, en vrai. D'ailleurs, je compte faire très bientôt, on se fera des jeux PS4, genre Sekiro, que j'aimerais bien faire. Après, sur PC, en vrai, je peux jouer quand même à pas mal de jeux, parce que mon PC fait tourner quelques petits dingues. Donc en vrai, à voir. En vrai, je fais aussi par rapport à ce que je trouve, tu vois. Genre, parce qu'en fait, tout ce qui est jeux d'occasion... Genre, je trouve très, très régulièrement fait des jeux Switch et des jeux PS4. Alors que jeux PC, c'est vrai que du coup, bah, soit tu pars sur Instant Gaming, mais je préfère, en fait, moi je suis quelqu'un qui préfère avoir les jeux en cartouche ou en CD. Genre, j'aime très peu les jeux en démat. Coucou Soubi, comment tu vas? Et très stylé les make-up. Non, franchement, très stylé de fou. En tout cas, très, comment tu disais? Très, attends, tu passes inaperçu en tout cas. J'espère que tu vas bien en tout cas. J'ai des œufs et une courgette, une tomate, une aubergine. Bah en vrai tu peux te faire une petite poêlée de légumes là Maxiz. Bon certes c'est pas le mieux du mieux, mais bon. Tu vois ça c'est un petit kiff et puis celle-ci. C'est important de manger sain. Alors qu'un bon gros McDo là, mama. C'est la fin du mois. Ah il faut aller. Bah c'est plutôt le début mais non mais je vais pas chipoter et jouer sur les mots. J'oserais pas. Pendant très longtemps aux Sims, mais je me suis amusé qu'à partir du moment où j'ai fait des challenges
des streamers ou sur YouTube, ça peut être très drôle, mais chacun ses... Ouais, c'est ça, chacun ses goûts. Après, après, ce qui est cool, c'est que les Sims, les challenges, tu peux les faire... T'as pas forcément besoin d'installer de mod ou quoi. Tu vois, imaginons, genre... tu souhaites faire un challenge, entre guillemets, sur Mario Odyssey ou quoi que ce soit. C'est que la plupart du temps, si tu veux faire un challenge, il faut ajouter des mods, etc. Donc jouer sur... sur émulateur, et c'est un peu plus compliqué. Alors que c'est vrai que sur les Sims, en vrai, c'est plus la créativité et ta liberté de penser au final qui gère ta game. Quoi ? Mais non, mais c'est une honte ! Comment ça ? Mais je me suis fait niquer ! Mais j'ai pas... Ah, ok ! Et tu l'as fait quand, du coup, Florian ? J'espère que ça va aller, en tout cas, j'espère que ça ne stresse pas trop. Moi, ça va bien, en vrai. En ce moment, c'est assez chill, on va dire. Ça bosse, ça avance sur les projets. J'ai encore besoin de temps, mais bon, aussi, j'aimerais bien changer toujours d'appart. Mais en ce moment, j'ai plus du tout le timing pour... Bref. Compliqué, on va dire. La vie en ce moment est un peu compliquée, donc il y a beaucoup de remises en question en ce moment, mais vous inquiétez pas, tout va bien. Ghost of Tsushima, oui. En vrai, franchement, j'ai grave hâte de le faire. Oh putain. Oh, c'était chaud. C'était chaud parce qu'à tout moment, je me prenais la banane. C'était ma merde. Soit que les jeux PS4. En vrai, j'aime bien. J'aime bien la PS4, en vrai, c'était chouette comme console. Pas mal de choses à faire dessus, en plus. Jeu en démat, c'est claqué, tiens. On va dire que ça peut être pratique, tu vois. Mais, par exemple, les seuls jeux... Merci beaucoup, Hugo, pour le follow sur TikTok, bienvenue. En vrai, les seuls jeux, genre, que j'ai en démat, j'ai un peu le regret de les avoir achetés, quoi. Genre, j'ai Animal Crossing et j'ai 3D All-Star sur Switch, que j'ai acheté en démat. Donc, j'avoue que j'ai un peu le seum de les avoir achetés, au final. Mais bon, c'est comme ça. J'ai une poêle de légumes surgelés. En vrai, ça fait le taf, Maxis. Ça fait le taf. En vrai, le truc, souvent, moi, ce que je me dis, c'est dès que je vais commander, enfin, dès que j'ai envie de commander plutôt que de me faire à bouffer, c'est que je réfléchis au fait de me dire, ok, une fois que j'aurai commandé, que j'aurai fini de bouffer, je serai en mode, putain, fais chier, en fait, je regrette d'avoir commandé parce que du coup, j'aurais bouffé de la merde. En fait, faut que tu penses au après. Et dès que t'as capté le après, tu dis, bon, ok, vas-y, je me fais un petit truc simple. Car rentrée, j'ai arrêté les fast-food, heureusement que je fais du sport. Pas de McDo là ce soir, Maxis. Pas de McDo. Si tu fais un McDo, Maxis, ce soir, je te banne. J'ai eu mon tour premier cours ce matin, donc je suis épuisé. Ouais, je me doute, Soubi. Et ça a été, du coup, cette rentrée. Et merci pour les make-up tout en discrétion. Exactement, bien discret. Non, mais c'est cool, ça fait plaisir. Et même, j'ai vu aussi, quand même, qu'il y avait surtout pas mal de commentaires qui étaient quand même très très positifs et ça fait plaisir à voir. Donc c'est cool. Et coucou Chirachou, comment il va? Ça va bien. Normalement, la réunion de rentrée, c'est jeudi. Ok, bon, ça va alors. T'as encore un petit peu le temps pour nos stress, pour chill, pour profiter de la fin de tout ça. Je sais qui t'a mis les boules de feu, si tu veux, je le batte. Non, t'inquiète, c'est le jeu, donc malheureusement, je n'oserais pas faire ça. Regarde Lolo, je lui mets là. Ah non. Ah, Lolo, je suis désolé. Hein. En fait, à la base, Lolo, tu devais prendre une banane. Et malheureusement... On peut faire un truc genre comme ça. Mais non. Bah alors, je voulais pas faire... Oh non. J'ai touché Lolo. Lolo, je suis désolé. Lolo, c'était pas fait exprès. Lolo, il y a eu un bug dans la matrice. J'ai eu un bug de fou, frère. Moi, j'étais pour rien. Ok, je vais faire cuire durée. C'est bien. Non mais, Maxis, je t'assure que tu me remercieras. Oh putain. Oh là là. Oh, c'est la merde. Attends, est-ce que j'arrive à doubler Smash? C'est vrai, là, j'ai très peur. À tout moment, il me met la rouge au cul. Ça va bien. Ça marche à toute heure, carré. Tu vas à la salle? Pas du tout. Pour l'instant, ça va. J'ai surtout hâte des stages. Et du coup, c'est quoi le rythme à peu près des stages Soubi? Ça va chaudement. Je suis en train de fondre en survie. Attends, il fait combien chez toi, Chirachou? Moi, ouais, ça va. Aujourd'hui, ça allait. Genre, même s'il faisait 34, j'ai trouvé que c'était plutôt ok. Genre, c'était pas non plus une atrocité de la nature. Bon, je me suis pris un petit klaxon de la part de Lolo, c'est pas grave. Ok, il y a une petite bleue qui arrive en plus. Qui va pouvoir niquer Smash. Putain, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû... Oh, let's go. Oh, let's go. Oh, let's go, let's go. C'est arrivé. Ah non. Ah là là, quel dommage. Lolo, il fallait pas faire ça. Lolo. Ok. Ok, là, si j'ai un shroom, je suis... Ok, c'est pas grave. Non, mais j'ai pas de shroom, en vrai.
J'ai pas de chou. Moi ça va bien en vrai, cher chou. Journée très chill, très, très détente. J'ai eu juste le petit coaching Pôle emploi ce matin. Attends les gars, il y a le bot qui me double, frère. Le bot m'a doublé. Coup de danger originel. Bienvenue à toi. Comment vas-tu? Et coucou à ce TikTok aussi. Bienvenue à vous. Si même vous voulez jouer ce TikTok, n'hésitez pas à venir sur Twitch. Vous avez le Twitch là. Ou sinon, si vous voulez chill sur Twitch, sur TikTok, il n'y a aucun souci. Hein. Mais on fait des petites games avec vous. Après, on fera un tournoi à 20h30. Si vous voulez, je vous mettrai le code au pire sur TikTok aussi. Mais petit tournoi à 20h30 de 1h à peu près. Donc globalement, 16 courses. Donc si même vous êtes chaud, on se fera ça. Je suis déjà quasiment fini. Ah ok, my bad, je savais pas. Et si tu fais Ghost of Tsushima, je vais enfin pouvoir le finir. Ah, ça va te motiver comme ça. Ça va te motiver. Mais franchement, ça a l'air d'être un jeu vraiment banger. Mais j'ai juste peur de mourir 17 fois d'affilée, genre. Ça gagne... non. Ça gagne pas. Mais ouais. Mais ouais, hein, bien sûr. Je... Ouais. Non, mais je gagne pas, mais bah là, je suis à... Je suis... Ouais. Hein. Ça... Voilà. Merci Guzi, merci beaucoup pour le follow. Comment vas-tu? Est-ce que tu peux? Bien sûr, avec plaisir. Bah là en gros on est en train de faire une petite room privée. Mais après on va se la coller en tournoi. Donc si jamais ça vous dit, hop, il y a un petit point exclamation. Voilà, petit point exclamation MK. Donc n'hésitez pas à m'ajouter en ami. Si jamais il y a ça dit qu'il y a trop d'amis, n'hésitez pas à me le dire, voilà. Comme ça je fais du ménage. Tu joues un petit peu à Mario Kart ou pas dans le jeu originel? Ça fait des petites games. Ça va le focus ici. J'ai des fans dans la room. Ah c'est pas moi Lolo hein. Lolo j'avoue que je fais quasiment rien. Bon, à part le petit boomerang, moi j'ai rien fait hein. Ça m'énerve pas avoir de online. En vrai j'avoue que bah le online ça reste toujours cool mais ça dépend à quoi tu joues quoi. Genre vu que je joue à Mario Kart tous les mardis en vrai c'est important. Mais c'est vrai que sinon mis à part ça tu vois le online bon bah je joue qu'à ça en fait en multi. Donc c'est vrai qu'en fait le multi me sert juste à Mario Kart tous les mardis. Sinon, il ne servirait à rien. Parce que si vous regardez un petit peu, genre à la limite, si il y avait la période Pokémon où ça servait à faire des raids, des machins, des échanges. Mais sinon, ça sert à rien. Genre, l'online sert à rien du tout. Coucou Destro! Et on parlait de toi en plus tout à l'heure. On parlait que t'étais toujours la légende du stream des subgifts, que t'étais, je crois, toujours premier du top. Comment il va, mon Destro? Ça vient, j'ai mon RDV pour l'emploi mi-septembre. Ça, c'est avec ton conseiller ou pas? Ton ou ta conseillère? Est-ce que ça se passe bien? Ça va? Bon, je croise les doigts pour toi, cher Hachou. On les connaît. Hein. Bah, la dernière fois, on m'a appelé, c'était en mode oui, on vous propose quelque chose. On propose une super formation d'un an, machin. Genre en mode comme une école. J'étais en mode ok, mais en fait, genre, je vous ai dit que de toute façon, dans tous les cas, j'allais me barrer de Pôle emploi en octobre parce que je vais me lancer en micro-entreprise. Et du coup, ils sont en mode ah oui, pardon, ça a pas suivi le dossier. Oh les relous de merde! là, coucou Mister Connor! Comment vas-tu? Comment ça, Mister? Coucou à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis un joueur assez quotidien, mais pas en compète. Bon, après, en vrai, tu sais, ça reste toujours un plaisir juste de chill sur MK, hein, de pas se prendre la tête et. Comme si c'est compliqué. Donc, si jamais tu veux venir jouer avec nous, pareil aussi. N'hésite pas, dans jeu original, n'hésite pas. Vraiment, on se fait plaisir, on chill et on joue tous ensemble parce que bah c'est un peu le but. C'est vraiment, on se prend pas la tête et... Après, bon, on dit le petit tournoi. À ce moment, le petit tournoi, il y a plus d'amitié qui tiennent, hein, je vous le dis. Et voilà, en tout cas, vous avez mon code ami. Hop, je vais en même temps, je vais l'épingler et après, on mettra le code du tournoi. De toute façon, le tournoi, il commence à 20h30. Oui. SSB par moment, c'est vrai. J'oublie le SSB. De temps en temps, un petit SSB online, pourquoi pas. Mais c'est vrai que mis à part ça, sinon, bah, j'utilise très peu. Vous l'utilisez pourquoi le online, vous, en vrai? Oui, avec ma conseillère que j'ai jamais vue de ma vie. Ah ouais, genre la première fois où t'es rentré à Pôle emploi, genre ils t'ont pas... T'as pas eu un rendez-vous avec ta conseillère? Et coucou Pauline, comment ça va? Ça fait plaisir de te voir. Tu vas bien? Écoute, ça va, j'avoue que je sais pas, je suis à combien... Je sais plus du tout, Destroy. Je sais plus du tout. Ça se passe en ce moment, le boulot Destroy? Moi j'avoue que premier rendez-vous avec Pôle emploi, bah du coup je suis tombé en fait, en gros je suis allé à Pôle emploi, du coup je faisais la queue etc machin, et en fait du coup il y a une meuf qui devait, qui m'a pris du coup en mode de oui bah du coup je serai ta conseillère machin je sais pas quoi, et en fait au final elle devait pas du tout me prendre, et au final elle m'a gardé et c'était pas plus mal parce que c'était la meuf qui gérait tous les bails d'auto-entreprise etc. Donc en vrai, elle m'a donné les petits contacts pour le coaching, pour la suite, etc. Donc c'est pas plus mal.
Je vois que bordel, c'est un peu mal foutu quoi, Pôle emploi. Il y, y a des moments ils sont très gentils, mais ça reste quand même mal foutu. C'est un peu la crise. L'éclair qui met dans l'huile. Aïe aïe aïe, le coup est dur. Du coup, en vrai, ça va. Les éclairs, ils m'ont pas trop mis dans la merde. Ah, d'accord. J'ai Razi qui a mangé ma verte. D'accord. Bah, ouais, carrément, Mister Connard. Bienvenue, bien sûr, bien sûr. Tu dis quoi de bon en ce moment? T'étais parti un peu en, en vacances cet été, peut-être? Il y a peut-être moyen. Et Poukou Pokapa! Comment ça va? Facile, votre jeu. Ah, attends. Smash, là, c'est les games de chauffe, ça. Ça, c'est les games. Tu vas voir quand je vais tryhard. Tu vas voir Smash. Flemme d'ajouter en Konami, en vrai. Ouais, carrément. Bah, tournoi, on commencera à 20h30 et je vais on redrop le code tournoi, t'inquiète pas. Non, j'ai originel. Et tu joues qu'à MK ou tu touches un petit peu à tout? Bah, la forme, Pauline, la forme. La forme, ça a été cette. Bon, cette rentrée entre gros guillemets parce que c'est pas vraiment une rentrée, mais. mais ça a été. Le online, pas le choix pour les motifs sur SNH et je joue avec des gens à Mario Party. Attends, pour les motifs à SNH, il faut vraiment les, le online. Ah ouais. En vrai, je pense qu'ils se mettent bien avec le online quand même, Nintendo. Après, c'est pas non plus l'online le plus cher. Bon, après, c'est pas le online le plus incroyable, quoi. Parce que vu les bugs qu'on a à chaque fois, c'est pas un peu bancal. Hein. Et coucou, Tastrick sur TikTok, coucou à toi, bienvenue. Bah, écoute, moi, ça va bien. Ça va bien, on se fait bien, juste on finit 9ème, donc là, ça va pas. Mais on est là. On est là, ça fait plaisir. Oui, lip. Et c'est cool, en tout cas, merci beaucoup, Pokapa. Merci beaucoup pour le soutien. T'as passé une bonne journée, Pokapa, ça a été. En tout cas, j'espère que pour tous ceux qui arrivent, j'espère que votre rentrée s'est bien passée, en tout cas. Weep, weep, weep. MK ici, mais de base, c'était pour jouer avec les amis. Et 18 ans, on n'a jamais joué ensemble, les bâtards. Parce que, genre, ils ont jamais pris le online ou juste, ils sont jamais dispo. Weep, 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 weep. Avec des potes à Monopoly. Ah ouais, j'avoue, Technofreeze. En vrai, franchement, aucune vase Monopoly, j'aime beaucoup. C'est un jeu que j'avais... Enfin, de toute façon, c'est un jeu de société que j'adore. Enfin, que j'adorais. C'est un jeu quand même vachement rageant, mais non, franchement, c'est ça reste cool, le Monopoly avec les copains. Mais bon, t'as envie de t'entretuer. En fait, c'est que des jeux où t'as envie de t'entretuer. Ouais, putain, je sais plus parler. Bah, t'as envie de buter tes potes, quoi. Hein? T'as envie d'entretuer. D'entretuer tes potes, bordel de merde. Oh là là. Et coucou, Ogno! Comment ça va? Comment tu vas, Ogno? Mais ouais, j'espère que ça va, mon Destroy, en ce moment. Parce que c'est vrai que j'ai pas trop de nouvelles de toi, donc j'espère que ça va. J'espère que la vie suit son petit cours. MK, Hollow Knight, ACNH. En... Oh, stylé, stylé, stylé. Putain, Hollow Knight, il faudrait vraiment que je le fasse. Faudrait vraiment que je me motive. Et ACNH, on y joue un petit peu de temps en temps. Là, on vient d'arriver aux 3 étoiles. On avait commencé le jeu il y a pas si longtemps que ça. Et on est du coup aux 3 étoiles. Et en vrai, on est plutôt. Bon, j'irai pas chaud parce qu'on est des grosses merdes en termes de déco. Mais on est là. Beaucoup, ah ouais, beaucoup de taf en ce moment. Force Pauline, en tout cas j'espère que ça va le faire. J'espère que c'est pas la, en vrai j'espère que c'est pas la galère. Donc toute ma force et j'espère que ça va aller. Hop là, on récupère ça. Pour l'instant on est un peu dans la merde hein. Là je fais un peu n'importe quoi là. Genre je supporterais pas d'être derrière Babs quoi. Non, je pourrais pas. Ah, je rigole. Oh, je rigole quand même. Et coucou Nono. Enfin fini ma journée taf. T'as fini à quelle heure Nono? T'as fait des heures sup? Donc il y a force ouais, pour le taf. Je me doute qu'avec la rentrée ça doit être un petit peu la reprise quand même des activités. Enfin je parle pas forcément de vacances hein. Je dis juste que bah forcément les juillet août ça reste quand même des mois où même dans tous les tafs ça reste un peu plus chill globalement. Parce que bah derrière il y a moins de clients etc machin. Mais en tout cas ouais j'espère que voilà vous allez vous refaire bien au rythme de la rentrée. J'espère que ça va se faire. Ah c'est la version Switch. Ok. Ouais, je vois. Après, je l'ai vu sur Twitch, mais j'avoue que, en fait, le problème, c'est que j'ai pas de potes avec qui jouer. Donc, j'avoue que c'est des jeux, genre, j'achèterais pas parce que, bah, je sais que j'ai pas de potes qui l'ont, tu vois, donc, c'est un peu dommage. Bon, je jouerai après, car, y'a pas de soucis, Lolo, t'inquiète. T'inquiète, y'a aucun souci. Merde, putain, je pensais que j'étais, mais non, mais fais chier, je me suis fait bilède. Perso, encore sur Zelda après le premier jour de cours, du coup je te regarde en... J'ai pas compris, attends quoi? Et c'était ton premier jour de cours, Pokapa? Et attends, en gros tu joues en même temps à Zelda que tu regardes, c'est ça? On fait plus de jeux PC
Quand on joue sur Switch, on est en local. Ouais, c'est vrai. Bah, de toute façon, forcément, vu que bah, les jeux PC, c'est beaucoup plus simple de jouer en... de jouer genre ensemble. Souvent, tu vois, la plupart des jeux PC en multi, ça reste quand même des jeux qui sont gratuits. Bon, la plupart du temps, hein, bien sûr. Pas tout le temps, mais la plupart du temps. Ah putain, j'ai pas réussi à doubler, bordel! C'est que tu vois, tout ce qui est genre les délires de... je sais pas, Rocket League, Fortnite, League of Legends, Valorant... Ça reste quand même des jeux gratuits qui sont même online, qui sont gratuits et que dans tous les cas, tu peux jouer avec tes potes facilement. Plus que tu vois, par exemple, si t'achètes un Monopoly. Genre, enfin, ouais, il y a très peu de gens qui l'auront, je pense. Ouais, franchement, tout va bien, Oignon. Franchement, tout va bien. Même si journée de chill, j'avoue que en ce moment, c'est pas remis en question, mais on va dire qu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais qu'ils avancent et qu'ils avancent pas comme j'espérais. Donc j'avoue que ça fait un peu chier, mais on fait avec, on se détend, on change des idées, on va boire des verres avec les copains, donc ça fait plaisir, c'est le principal. Vraiment important de se changer les idées, hein, et de penser à autre chose, et pas de se prendre la tête. Hein. Et Rue Ismaël, Ben en vrai, écoute, j'ai fini mon contrat de travail début septembre, du coup là, je recherche, bien ta mine, car demain, new saison RL. Du coup, ça va retryhard ou pas, Destroy? Ou du coup, tu laisses ça un petit peu de côté? Oui, j'ai eu les 3 étoiles, Lolo. J'ai eu les 3 étoiles, bordel. Et merci beaucoup, Julien Crise, pour le follow sur TikTok. Merci à toi. Merci, merci, ça fait plaisir. Bienvenue à ce TikTok, en tout cas. Si sur TikTok, vous voulez jouer à MK, pareil, après, en vrai, je mettrai un code de tournoi, hein, si vous êtes chaud. Va jouer, finalement, à cause de la... Pourquoi ça, Pokapa? Pourquoi ça? Parce qu'elle te dit que c'est la rentrée et tout, faut se focus, faut arrêter de jouer. En vrai, ouais, Techno, c'est vrai que je pourrais. Mais après, je l'ai pas acheté non plus. mais why not un jour, en vrai. Et merci beaucoup, Zoran. Merci beaucoup pour le follow TikTok aussi. Merci à vous, hein. Rock, je vais te mettre la mise à... On verra. Je fais d'un sub, j'ai bossé de 14h45 à 19h. En vrai, ça va. J'étais en caisse tout l'après-midi. Ok. Bon, ça va, en vrai, après, t'as pu faire grasse mat, du coup, Nono. Donc ça reste cool. Putain, j'ai pas mis ma rouge en défense. Je pue un peu. Franchement, parfois j'y joue, c'est cool. Genre en mode avec les copains, vas-y, ou juste solo aussi. En vrai, je sais pas si ça se joue aussi solo. Enfin, je sais pas si ça reste bien solo. Mais par exemple, tu vois, genre ce genre de jeu, les avoir en soirée, tu vois. Genre t'as un Mario Party en soirée avec des copains, c'est trop sous-côté. Tu vois, genre une soirée avec tes potes où tu joues à Mario Party. Genre en vrai, IRL, tu vois, tu les ramènes genre chez Watt. Vraiment, ça reste des trop bonnes soirées. Genre vraiment, je trouve que c'est des trucs qui sont sous-cotés. Tu vois, genre faire un Mario Party, un Mario Kart, ou genre les Wii Party aussi, hein. Les Wii Party qui restent des bangers sans nom, mais bon. Du coup, c'est dommage. On attend toujours le Switch Party, là, bien sûr. Et pas le One Two Switch de nul, là. C'est bon, c'est aberrant, ça. Je cherche des jeux gratuits, ouais, mais pas trop dans ce genre-là, pas trop mon délire. Ouais, je comprends totalement, Oxos. Bah après, en vrai, en jeu gratuit sur PC, je sais pas du tout. Après, t'as un jeu qui se jouait à deux qui était très sympa. Bon, il y a que l'opus 1 qui est dispo. C'était We Were Here. C'est un jeu en coop à deux. Où, genre, le but, c'est de faire des énigmes, etc. pour avancer dans l'aventure. Et, genre, toi, t'as ta POV, t'as la POV de l'autre et vous êtes pas du tout côte à côte. Et, genre, vous voyez pas la POV de l'autre. Et du coup, vous devez communiquer pour essayer justement de résoudre les énigmes. Ça, franchement, c'est une chouette série de jeux. Il y a le premier qui est gratuit. Après, sinon, c'est vrai que je sais pas en vrai. Ouais. Je sais pas trop pour un jeu gratuit ce qu'il y a de dispo. Ok. Bah en vrai, go. Et par contre, cette fois, tu t'y tiens, Destroy. Hein. Pas de bêtises et tu le fais. Hein. Parce qu'on connaît à chaque fois. Hein. C'est pour ça, là, go, tu te la donnes. Et après, comme ça, RLCS. Et après, c'est parti. Tu m'invites sur le VIP Awards. Non, ouais, j'espère que ça va le faire, Destroy, j'espère. Merci beaucoup, moi c'est Matt. Merci Matt pour le follow. Bienvenue à toi, Matt, comment vas-tu? Bienvenue à tous, en tout cas, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Si jamais vous voulez venir jouer, c'est totalement possible, bien sûr. Je vais là tout de suite dans un room privé, mais après on va faire un petit tournoi. Et je vous dropperai le code tournoi, bien sûr. Oui, de toute façon, on commence à 20h30. Hein. 20h30. Mais merci Matt. Switch Party, ce serait ça. Ah bah ouais. Parce que moi j'ai tellement de bons souvenirs avec Wii Party, bordel. C'est tellement un jeu qui était trop bien en fait. Genre, en fait t'avais plusieurs modes de jeu et t'avais plein de mini-jeux. C'était vraiment un vrai banger et j'avoue que Switch Party... Mais en vrai ils ont fait One Two Switch qui je pense essayait de rappeler un peu ça, mais c'est pas la même chose. Et coucou Elena, comment tu vas? C'était ta rentrée Elena? Grâce à moi jusqu'à cette... Ah ouais? T'as pas réussi à dormir plus Nono?
Ouais, c'est vraiment ça, du coup, ce sera que le week-end. Ah, dommage. Bah, après, essaie de montrer à la daronne que tu gères. Moi, en vrai, sachez-le, si je peux vous donner un conseil, si vous avez ce genre de daron, tryhardez les cours. Genre, tryhardez les cours, et si jamais vous avez des bonnes notes, vous leur montrez, ouais, bah écoute, genre, ok, ce que je te propose, c'est, genre, tu me laisses jouer, et t'es mal les notes que j'ai, donc tu peux me laisser jouer, tu vois. Genre, moi, en vrai, c'est ce que j'ai tout le temps fait, perso, dans ma vie. C'est que ma daronne, en vrai, elle me laissait jouer. Parce qu'en fait, j'avais des bêtes de notes. Parce que du coup, quand même, je tryhardais bien les cours. Et genre, en fait, j'écoutais à fond la journée, etc., pendant les cours. Genre, je rentrais, je faisais mes devoirs, et après, je pouvais jouer parce que, bah, genre, j'avais les notes, et derrière, bah, j'avais déjà tout fini, mes devoirs, etc. Ouais, le remodel OMG. Je sais pas quand est-ce qu'on y jouera. Je sais pas du tout. Je vous dirai. Une partie meilleur jeu of all time. Ah, c'est un très, 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 très bon jeu. Bah c'est un jeu qui donne envie quoi, c'est un jeu où avec tes potes ou MG le jeu est trop bien quoi. Donc l'IA en local ouais. C'est vrai qu'à local c'est cool, vraiment avec les copains c'est cool. Après tu peux faire ça en online mais bon tu joues avec des randoms. Je sais pas tu vois si ça a beaucoup moins intérêt on va dire. Ouais c'est vrai. Mais en vrai je sais pas Lolo, parce qu'à tout moment comme ça fait plus de personnes qui jouent. Donc je sais pas, on verra. Ça me parle ça. Non ouais, sur la Wii, ben bah, en ce moment vous savez j'ai racheté quelques jeux etc de DS, de Wii, tout ça, de GameCube aussi et franchement bordel la nostalgie qu'il y a, genre il y a Wii Par non c'est quoi c'était Wii Play aussi qui est vraiment un banger, bon un peu moins que Wii Party mais il y a vraiment des jeux bordel qui ont vraiment bercé mon enfance et genre par exemple j'avais aussi putain j'ai retrouvé un jeu aussi. Je sais pas, peut-être qu'on le fera en stream aussi. Il y a un jeu Détective Conan sur la Wii qui s'appelle... alors je sais plus trop quoi, Disparition à Mirapolis, un truc comme ça. Et bordel, en vrai, moi qui adore Détective Conan, je pense qu'on se le fera un de ces quatre. Mais ça a l'air d'être ouf. Bref, j'ai racheté plein de jeux qui m'évoquent les petits souvenirs aussi, donc why not, on fera ça en stream, why not. C'était incroyable sur Wii Party là. Oui, non mais totalement, attends, le Globetrotter, attends. Est-ce que c'était celui où t'avais l'espèce de montagne ou pas du tout? Non, c'était pas ça. Parce que t'avais plusieurs modes justement pour Wii Party. Et coucou le Flav! Comment il va? On a encore combien de courses là? Pas énormément. Je crois qu'on arrive bientôt à la fin. Logiquement, c'est censé finir vers 15 par là. Coucou Earthmoon, comment ça va? Oh là là, what the fuck! Coucou Samis aussi, coucou à vous deux. J'espère que vous allez bien. Et ouais. Damien le S. Alors, Damien Earthmoon aussi, hein, mais Damien, il y a un autre Damien. Comment ça va, monsieur Moon? Et comment tu vas, Samis? Coucou à vous. Et coucou le Flav. En plus, c'est la troisième. Donc, j'ai vraiment énormément concentré et bossé, même si c'était déjà le cas avant. J'ai un peu lâché en quatrième. C'est une année ultra importante. Je vais tout rattraper en bossant en troisième. Mais franchement, non, franchement, si je peux vous dire. Bon, après, il y a des gens, tu vois, avec qui les cours, genre, ça fait 17. Ou c'est un peu. Vas-y, c'est chiant, je peux comprendre. Mais voilà, vraiment. Motivez-vous et donnez-vous les moyens, je vous assure que vous vous remercierez plus tard. Et vraiment, pareil, si même vous êtes vous êtes plutôt jeune, genre collège-lycée, que genre pareil, au niveau des darons, tout ça, ils sont assez stricts, je vous assure que si vous fumez les cours, ils seront heureux et ils vous laisseront beaucoup plus de liberté. Les Worms, c'est pas un jeu qui te plairait? En vrai, les Worms, ça peut être vraiment des bars. Franchement, les Worms avec des potes, ça peut être vraiment des bars. J'aime bien. Oui, je sais, monsieur Moon. Je sais. Ça va être tranquille. Ça a été la journée aujourd'hui. D'ailleurs, en ce moment, monsieur Moon, ça charbonne ou pas? Je sais que tu m'avais dit que genre, c'était un peu contrat alterné. Genre, tu faisais des. Du coup, je sais pas. Pourquoi Arca aussi? J'espère que ça va, mon petit Arca. Oui, ça gagne? Ah, non, mais là, c'est game de chauffe. Non, là, c'est game de chauffe. Après, on se fait un tournoi. Vous allez voir. Merde, je voulais tenter le cut, mais j'arrive pas à le faire, donc on va pas le faire. Mais alors là, du coup, en fait, on est en game de chauffe, tranquille, on s'est une petite room privée. Et après, on va faire un tournoi. D'ailleurs, si jamais vous voulez participer, n'hésitez pas. Il y a le petit code tournoi qui a été annoncé par Benji. Du coup, le tournoi commencera à 20h30. On fera du coup 16 courses, si jamais vous êtes déter. Mais là, ce sera le moment de montrer. Le moment de montrer notre talent. Tu joues un petit peu à MK, Samis, ou pas? Oui, Lilip. Il me fait toujours la tête. Oh non. Non mais ça a essayé de déconcentrer l'ennemi, c'est pour ça.
Hop là, bon pour l'instant, tac. En vrai, là, j'aimerais bien apprendre ce cut là quand j'ai un shroom. Parce que j'arrive pas très bien à le faire. Ça marche, merci beaucoup pour le lurk, Benji. Et bat une belle soirée. Y'a pas de soucis carrément, Pokapa. Y'a pas de soucis, passe une bonne soirée. T'inquiète, et peut-être à tout à l'heure. Y'a aucun souci, vous inquiétez pas. Et si vous voulez laisser votre lurk aussi, n'hésitez pas non plus. Toujours en off côté contrat, ok, ok. Ok, ok. Bon, c'est pas plus mal, du coup, ça profite un petit peu. Bien voir. Surtout fumer les cours, ça ouvre beaucoup de portes. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, exactement. Après, je sais que ça peut être compliqué, etc. Que, bah, que les cours, c'est jamais simple pour tout le monde. Que bah, y a des gens pour qui les cours, c'est pas fait pour eux. Et ça, on le sait. Mais c'est toujours important quand même de donner le meilleur de soi-même. Parce que même si les notes, oui, machin, etc. Il y a aussi quand même les appréciations. Et quelqu'un qui en a rien à foutre et qui branle rien. Alors que quelqu'un qui, même si qui galère et qui se la donne... ça serait beaucoup plus mis en avant et vous aurez aussi peut-être plus aussi ce que vous voudrez par la suite, c'est-à-dire filière pro, filière techno, etc. Merci beaucoup Johan pour le follow sur TikTok, merci à toi et merci à vous. Voilà, du coup j'ai une légère diff les gars. Du coup les amis, vous avez le code de tournoi si vous voulez. Du coup le tournoi va se lancer à 20h30. Vous avez le code tout en haut. Donc, ce que je vous propose c'est ou alors sinon on s'en fait une petite encore. On peut se faire si vous voulez juste... mais c'est que 4 courses minimum. Ouais, mais 4 courses, on n'aura pas le temps. Si, on aura le temps. Je sais pas du tout. En vrai, je sais pas du tout. Non, au pire, on va attendre tranquille 15 minutes. Donc je vais quitter la room. Mais du coup, vous avez le code du tournoi, les amis. Je vais aussi... Vas-y, je suis gentil, je le mets sur TikTok, ok? Comme ça, si vous voulez bien sur TikTok, n'hésitez pas. Hop, je mets le petit code du tournoi. Donc si jamais vous avez jamais fait de tournoi... Hop, du coup, il faut aller dans entrer un code. Vous rentrez le code de la room MK. Et ça part, quoi. Et ça part. Merde, c'était laquelle? Oh putain, c'était laquelle? Non, c'est pas ça. Je crois que j'avais pas mis ça. Non, 27-5-2023. C'était pour le live 24h. La Caillou Cup. C'est vrai que c'était la Caillou Cup. De mardi à mardi. Alors oui, du coup, j'avais mis 22h. Donc on va juste modifier vite fait ça. Du coup, ce sera ouvert à 20h30. Le tournoi effacé du serveur, non. Non mais non, je voulais pas faire ça. Je voulais juste modifier. Ok, voilà, c'est bon. Juste modifier. Pas du tout, j'ai plus de Switch, mais ça reste temps. Ah. En vrai, Switch en ce moment, d'occasion, je pense que ça peut se trouver pas très cher. Après, c'est vrai que bon, vu qu'on est en incertitude de savoir s'il y a une prochaine console... Non mais moi, je veux pas ça, moi. Attends, on avait mis quoi? On avait mis une peau de banane. Oui, non mais je sais, je veux laisser la Caillou Cup. On laisse la Caillou Cup, du coup, et c'est juste pour modifier les horaires. Chacun pour soi, tac, tous les véhicules, hebdomadaire, mardi 20h30 et mardi 21h30, 16 courses, tous les 4 circuits. Voilà, c'est juste pour faire les petites modifications. Mais là, tu lis deux chats en même temps que tu joues? Ouais, Danger Original, ouais, t'inquiète, on est là. Non, ouais, ça va, le chat TikTok est assez calme, y a pas grand monde qui parle, donc c'est, je lis que le chat Twitch en vrai. Mais je lis aussi le chat TikTok parce que bon. Ça reste sympa. Et sinon, tu fais quoi de beau dans la vie, Danger Original? Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie? Et en tout cas, je suis totalement d'accord avec toi, Samy. C'est vrai que fumer les cours, ça ouvre beaucoup de portes. Hein. Même si on peut totalement réussir sans, forcément, ça aide beaucoup plus. Putain, c'est vrai que... Ok, putain, la semaine dernière, là... Paf! La Caillou Cup, là! En plus, moi, c'est première année de lycée. Seconde, en vrai, seconde, c'est... seconde, je sais pas si c'est compliqué. Moi, personnellement, la seconde, c'est l'année que j'ai le plus mal vécu. Parce qu'en fait, j'étais dans une classe où je connaissais vraiment, genre, Sun Pair. Genre, on était 5 mecs, il y avait, genre, 25 meufs. Donc, c'était un peu le bordel. Et en fait, le truc, c'est que les gens qui voulaient être en S, donc en scientifique, on était que deux. Et donc, en fait, la plupart des gens n'avaient rien à carrer parce qu'ils voulaient aller en L ou en STMG. Du coup, tout ce qui était genre maths, physique, SVT, ils en avaient rien à foutre. Du coup, bah, moi, ça m'avait grave mis dans la sauce. Et alors, ouais, bon, la seconde, c'est un petit peu... vraiment, la seconde, c'est le zoo, quoi. Aujourd'hui, j'ai dû remplacer un collègue en arrêt, plus mon taf, j'ai négo des heures sup, mais c'était chargé. Putain, est-ce que t'as travaillé ce week-end ou pas, ou t'étais en off, Arca? Vous entrez votre carte de carte bleue et vous me l'envoyez, et ensuite, vous aurez le droit de jouer à MK. Oh, putain. Oh, co... Ah ouais, c'est... Ouais, bonne strat, Babs. Ouais, t'es pas mal, celle-là. Nintendo a annoncé des bundles Switch Lite plus Animal Crossing et Switch V2
plus Switch Sport, à mon avis, c'est pour écouler les stocks. Switch V2, tu veux dire Switch OLED? Ouais, il y a moyen, parce que à mon avis, je pense que les gars, d'ici... En tout cas, je pense avant 2025, on aura une nouvelle Switch, je pense. Dis à Steve MK que je vais le fumer. Mais ça marche, Arwan, t'inquiète. T'as le code, si tu veux, à 20h30, ça se lance. Ça marche, Arwan. T'inquiète, sur TikTok. C'est violent, mais y a pas de soucis, hein. On veut voir ça, là, les gens chauds de TikTok, là. On veut voir. Le stage, par contre, ça va être chaud à trouver pour décembre. Déjà, je sais même pas plus trop quoi faire plus tard. Science, littérature, labo, ça me donne trop envie. Avocat, pourquoi pas. Je suis vraiment perdu. Après, Elena, t'inquiète, hein. Dis-toi que le stage de 3e... Oui, si, c'est stage de 3e, tu parlais de Elena, c'est ça. Le stage de 3e, il faut pas se prendre la tête, hein. C'est pas un stage qui définit tout votre avenir. C'est le stage de 3e, il a... aucun sens. Enfin, en vrai, il sert juste à voir un petit peu comment ça se passe dans le monde professionnel. Mais le stage de 3e, sachez-le, si tu le fais dans X ou Y endroit, ça n'a pas changé quelque chose à ton avenir. Hein. Sachez-le, faut pas se prendre la tête. Après, en vrai, si vous voulez pas vous prendre la tête, passez par piston de vos parents ou par votre famille ou machin, etc. Après, c'est toujours mieux de faire dans un truc qui peut... Enfin, dans un domaine où vous dites « why not travailler là-dedans plus tard ?» Mais sachez que vous avez le temps, les gars. Vraiment, en 3e, si vous mettez la pression, un peu bête. Genre, y'a pas à se prendre la tête, les gars. Vraiment, surtout pour un stage de 3e. Vraiment, sachez-le, moi, je l'ai fait dans la mairie de ma ville. Ça a été, hein. Bah, tu mérites la... Merci beaucoup, Donjon Original, merci beaucoup. Enfin, quelqu'un qui me reconnaît à ma juste valeur. Boulanger, oh, stylé! Alors, c'est un très beau métier, mais putain, bordel, il faut se lever tôt, quoi. Perso, j'ai fait partie de ces rares élèves qui ne bossaient pas, mais qui avaient 15 de moyenne. Bah, en vrai, ça reste bien, Lolo. Après, tu sais, c'est juste que t'as différents moyens pour écouter, pour justement retenir. Genre, tu vois, t'as les mémoires auditives, les mémoires visuelles, etc. Donc, peut-être que soit t'écoutais, peut-être que tu regardais juste en cours et ça suffisait. Peut-être que t'as fait les facilités aussi. Ouais. Ah, merci beaucoup, Guzzi. Merci beaucoup, c'est gentil, merci pour le code. Bab, t'as noté le code, hein. J'ai bossé ce week-end et j'ai eu un jour off hier. C'est tout et un vendredi prochain. Oh putain, mais Arka, en ce moment, t'enchaînes, hein. Et tu fais attention à toi, quand même, hein. C'est important, hein. N'oubliez pas, faites attention à vous. Même si le taf, c'est important, faites attention à vous, quoi. Non, Switch V2, c'est la Switch normale, mais la V2 avec la batterie... Ah, ok, d'accord. La Switch 2, ça s'appellera Switch U, by the way. Ah, LED. En vrai, je sais pas du tout. On verra. Pour l'instant, ils ont pas leaké. Putain, merde. J'ai fait un TikTok là qui en parle parce que du coup il y a eu d'autres infos qui ont été un peu leak, etc. Bon, ça peut rester des fausses rumeurs, mais apparemment du coup il y aurait. Enfin, j'avais déjà fait un TikTok par rapport à ça, mais il y avait un mec du coup qui disait octobre 2024, qui disait. Je sais plus trop quoi, et bon, du coup, apparemment, ça a été un peu démenti. Mais du coup, il y aura un autre gars qui lui est leak. Enfin, c'est un peu un leaker pro de base. Bon, du coup, apparemment, il aurait dit qu'on aurait une console qui permettrait de faire de la 1080 60 FPS et qui aurait une caméra. Je sais pas du tout. Faut voir. Et par contre, il a pas du tout donné de date de sortie. Donc on verra bien. Mais j'avoue que c'est pas tout de suite, les potes. Hein. C'est vraiment pas tout de suite. Hein. Dans ce moment, je dois choisir mes SP. Donc, si je choisis français histoire, je veux faire de la science. De la merde, quoi. Oui, c'est sûr, Elena. Mais après, après, oui, c'est sûr que bon, il y a une petite diff. Mais c'est pas, tu vois, c'est pas le stage de 3e. Qui va te dire si tu vas faire tel ou tel métier. Enfin, faut se dire ça comme ça. Coucou Yanis, comment ça va? Je peux voir, je suis combien au classement? Comment ça au classement, Yanis? Merci pour le lore, Coxence, merci beaucoup. À part le VIP et le sub, ça sert à quoi les autres trucs qu'on peut envoyer des petites bouteilles? Alors, en gros, t'as des petites... alors, les bouteilles, en gros, tu peux me faire boire, tu peux faire activer des espèces d'animations sur le stream. Tu vois, par exemple, je sais pas, T'as ça, tu vois. En vrai, t'as plein de choses. En vrai, c'est des petites animations assez sympas. On est 10 hommes garçons, 2 filles. Je ne compte pas dedans. Bon, du coup, il y a peut-être la moitié qui part cette année. Car c'est des abrutis, mais bon. Bah, en vrai, c'est juste qu'il y en a. Tu vois, ils arrivent en seconde générale. Et en fait, ils n'ont pas du tout envie de rester genre en filière classique, tu vois. Donc en fait, ça leur sert quasiment pas à grand-chose. Bref, et, du coup, bah, ils foutent le bordel, comme tu dis. Donc ça fait un peu chier. Bon, ils vont faire une new Switch comme la tour Nutri. Oui, c'est ça. Je pense que ça va être un peu le même délire, hein. C'est apparemment il y aurait les apparemment il y a une rétrocompatibilité mais les cartouches seraient plus grosses selon eux. Un jeu Mario 3D ça serait le feu. Ah, j'espère Arwan. Un petit Mario Odyssey 2 là. Non, en vrai je sais pas, on verra bien, mais j'avoue qu'un Mario 3D ce serait vraiment cool. Ce serait vraiment j'ai vraiment hâte de voir ça. En fait, je suis quelqu'un de très visuel, du coup il me suffit de copier une fois et de surligner essentiel et hop, c'est carré. Mais en vrai, j'avoue que j'étais un peu pareil, tu vois, genre j'écrivais et du coup je retenais assez facilement. Et c'est pour ça que le fait c'est con à dire, hein, mais le fait de se focus en cours
Genre, pour une partie, vous pouvez faire minimum 75% du travail. Genre, et t'as pas besoin de bosser à la maison. Bah, le 24, ils vont pas bien. Bah, en vrai, ça serait 2025, je pense, là. Là, si jamais on a des annonces, on est... tu vois, en un an, ça serait un peu... Ça serait peu. Mais je pense, ouais, début 2025, par là. Après, ça sort toujours avant Noël, donc soit novembre 2024, soit novembre 2025, peut-être, je sais pas. Faudra voir, en vrai. De toute façon, on attend d'avoir des infos. La Switch Cube. non, je pense pas. Bah, je pense pas que c'était sérieux. Je pense pas. Je pense que Guzzi trollait un peu. Il aurait pas lâché son code de carte bleue quand même. Coucou Bayonetta. Je suis vraiment sur ton live avec le tel de ma copine. Elle a piqué le mien. Putain, la. Non. Il faut pas dire ça. Mais d'accord. Non mais c'est cool, Bayonetta. Comment tu vas? Comment ça va? Du coup, tu n'es pas Bayonetta, du coup. Je suppose. Bayonetta, du coup, c'est le blast de ta copine. Ou alors, parce que sinon, c'est I sim for Bayonetta. Non, parce que ça veut dire indirectement, du coup, c'est ton compte parce que. Je sais pas. Ouais, c'est vrai, c'est pour ça que j'essaie de trouver des stages dans les domaines qui m'intéressent. Après, c'est toujours mieux, tu vois, Elena. Mais sache que ça va pas non plus. Tu vois, ça va pas non plus changer le cours de ta vie. C'est pour ça qu'il faut pas non plus stresser pour ça. Et après, pour tout ce qui est matière à choisir en première, bon, ça, en vrai, c'est vrai que c'est un autre. C'est totalement autre chose. Mais après, sachez-le, c'est qu'il y a une différence. Bon, si tu veux partir dans tout ce qui va être littéraire ou tout ce qui va être science, c'est qu'il y a quand même une grosse diff qui passe du coq à l'âne. Mais si jamais tu prends certaines spé. Tu vois, c'est pas comme si d'autres vont te fermer les portes, tu vois. C'est pas parce que tu prends, genre, maths et sciences que tu vas pas pouvoir faire du droit. Tu vois, je sais pas... Faut pas non plus être... voilà. Faut pas non plus s'inquiéter. Vraiment, pour votre avenir, les potes, prenez pas la tête. Parlez-en aussi à vos parents. Mais soyez pas stressés par rapport à ça. C'est quoi exactement un VIP, un sub? Bah, en gros, Pocapa, tu vois, par exemple, prends l'exemple de Ayame YouTube, qui, en gros, a un VIP. C'est un petit diamant. Donc en gros, tu vois, c'est pour montrer, tu vois, que t'es souvent là sur le stream, etc. Et après, t'as les subs. En gros, les subs, c'est un soutien financier sur le streamer. Donc c'est-à-dire qu'en gros, tu payes 4€ par mois. Bon, là, ce mois-ci, c'est 3€. Et du coup, en gros, ça te permet de soutenir le streamer. Et en contrepartie, t'auras un petit badge caillou avec des émotes, etc. Donc en vrai, c'est juste du soutien, la plupart du temps, les subs Twitch. Est-ce que vous êtes chaud, là, du coup, pour le tournoi, les amis? Est-ce que vous avez mis le petit code et tout ça? Avril 2017, il me semble, la Switch, non? Ouais, c'était avril 2017? Je pensais que c'était beaucoup plus tard que ça, mais la Switch est sortie en mars. Ok, bon, bah alors, mars 2025. Ça vous va? On pré-shot un mars 2025 pour la Switch 2, là? Non, je pense qu'il y a moyen, hein. Je pense... ouais, je pense que dans cette période-là, alors, du coup, ouais, mars-avril 2025, je pense que ça me paraît plutôt pas mal. Et en plus, surtout qu'apparemment, il y aurait des leaks d'un point de vue Sega et Square Enix. Parce qu'apparemment, Sega et Square Enix auraient accès au kit de développement de la nouvelle Switch. Enfin, du coup, du successeur de la Switch. Logiquement. Enfin, c'est ce qui a été un petit peu leak. Donc, bien sûr, toujours à prendre avec des pincettes. Mais ça veut dire que potentiellement, du coup, nouvelle Switch, donc nouveau développement, nouveau jeu. Des bouteilles avec des bouteilles là. Non, tu peux pas Technofreeze. C'est vrai que on pourrait si tu veux, mais c'est pour les follow, quoi. Prêt à me faire défoncer? Mais non, mais dis pas ça. On a déjà tous nos VIP, c'est pas la peine de demander. Bah en vrai non, il y a encore en gros les VIP c'est 100 000. C'est 100 000 points de chaîne. D'ailleurs j'augmenterai le prix parce que je vais plus en avoir beaucoup. Mais on est à peu près à 600 000 points de chaîne. Donc c'est pour ça. En vrai c'est pour vraiment récompenser les gens qui soutiennent le stream et qui sont là souvent. Ou quoi Astérix, comment ça va? Oh là là, let's go. T'es chaud Astérix? T'es chaud, je suis prêt pour... Ah, ça fait plaisir. C'est les minutes les plus longues de ma vie. C'est le stress. Et du coup, dans Jeu Originel, t'es en étude de... Enfin, t'es en mode CAP boulangerie ou du coup, t'es vraiment boulanger, du coup. Ah, let's go, ils attendent devant la ligne d'arrivée, ça fait plaisir. Mais de toute façon, vous avez encore le code, n'oubliez pas. Vous avez aussi le code sur TikTok, bien sûr, donc faites-vous plaisir. Coucou Médusa, comment tu vas? C'était ta rentrée? C'était Medusa. Nouvelle console Nintendo pourrait faire tourner. Ouais, exactement. T'as vu ça aussi, Arca? Je l'ai vu, ouais. Donc ça pourrait faire tourner FF7 Remake comme la PS5. Aussi bien que la PS5. Donc why not? Et c'est pour ça, ouais, du coup, Square Enix et Sega auraient les kits de développement de la nouvelle console. Donc logiquement, en vrai, ouais. Ça me paraît pas déconnant. Fin printemps 2025. Non, début printemps 2025. Je pense que ça me paraît honnête. Ah non, pas la musique, les points de chaîne. Non, ça va, pour l'instant, on va la laisser pour les follow, je pense. En vrai, ça m'apprend à jouer. Et exactement, c'est vrai. Et en vrai, il faut toujours voir les choses comme ça. Quand il y a plus fort autour de toi, bah, derrière, ça te permet de grave step up, en vrai.
J'ai peut-être dans la musique. Boulanger, pas apprenti. Ça fait un moment. Bordel, le coup de vieux. Peut-être quelle année dans le jeu originel. Et coucou, Roblochon. Oh là là, Roblochon. J'adore ce pseudo. Ça me donne très faim, mais j'adore ce pseudo. Coucou, attends, ton cas, bienvenue. Et bienvenue à tous. N'hésitez pas à rentrer le code tournoi, bien sûr. Une Switch qui a la puissance d'une PS4, ça m'irait largement vrai. En vrai, faut voir. Faut voir parce que du coup, elle va ressembler à quoi, tu vois. Elle va être aussi grosse que la. Faire quelle taille est-ce qu'ils vont réussir à réduire tout ça? Est-ce que la batterie va tenir en vrai, tu vois, c'est ça. C'est qu'ils me disent, ça va être. C'est violent quand même. Hein. Après, quand on voit ce que font les dernières consoles portables, tu vois, genre la Steam Deck, ce genre de choses, en vrai, ça me paraît pas déconnant. D'ailleurs, PlayStation aussi vont sortir leur PlayStation portable. Voilà. Bon, là, ce sera pas possible de jouer, genre, sans la PS4. Enfin. En gros, PlayStation veulent sortir leur console portable, mais il faut jouer sur le même réseau que ta PlayStation. Donc c'est pas incroyable. Oubliez pas, on est dans une minute les amis. La PSP quoi. Non, pas la PSP. Genre en gros tu joues. Enfin, je sais pas si on peut faire ça avec la PSP, je pense pas. Mais en gros tu peux jouer sur. En fait, tu peux avoir le retour de ta PS5 sur la console. En gros, c'est à peu près ça. J'ai encore. Ah bon, ça va. Pas trop stressé du coup, Médusa. Bah la forme Roblochon. Ça joue un petit peu à Mario Kart de ton côté. Si le partenaire Nvidia tient toujours avec le DL. SS, c'est quoi ça? Ça peut être jouable dans un petit body, genre PS Vita. Faut voir, de toute façon, faudra voir, on se prend pas la tête. On en reparlera début 2025. Et c'est parti, les amis. Le tournoi se lance. Prenez part à la Caillou Cup. Exactement le Flav. Il est 20h30. Les amis, donc n'hésitez pas à rejoindre. On croise les doigts, s'il vous plaît. Pas de bug. Pas de bug, s'il vous plaît. Pas de bug. Ah, let's go! Let's go les amis! On a atteint l'objectif des 6200 followers! Qu'est-ce qui va se passer? Bah pas grand chose, mais merci beaucoup! La dinguerie! Ah merde, putain, j'aurais dû faire ça plus vite là! Merci beaucoup Shitsui, merci beaucoup! Merci à toi! Merci pour le follow! Bienvenue en tout cas tous les nouveaux là! Incroyable! 6200 les gars! 6200! Ah ça fait plaisir! Ça fait plaisir. Attendez, du coup, j'aurais peut-être dû... Ah non, j'aurais peut-être dû mettre le truc dans le titre, je sais pas. Oh putain, la room, elle est pleine. Encore. Oh là là, ça va être une room dure. Hein. Ah, je la sens mal, cette room. Hein. On va se faire casser le cul. Mais merci à tous pour les 6200 followers. Ouais, ouais, ouais. Pull up dans le club. Hop. Mais en tout cas, ouais, n'hésitez pas, vous avez le code du tournoi. N'hésitez pas à rejoindre. Le Goomba qui s'appelle Roblochon, j'adore. Quoi? Oh non! Roblochon, c'est ton skin là! Oh, il me fume de rire! Oh, le skin Goomba! Merci beaucoup, Scotas! Ou Scota! Merci beaucoup, Scota, pour le follow, bienvenue! Comment allez-vous? Merci à vous pour les nouveaux follow, hein. Bienvenue à vous! Ah, vraiment, Roblochon, t'as refait la soirée, hein! Ah, le skin est juste une masterclass, hein! Ah, mais en tout cas, merci beaucoup, Shitsui, et merci beaucoup, Scota! Comment allez-vous, les gars? Comment ça va? Ah, Deep Learning pour l'anti-aliasing. Ok, d'accord. Générer à partir de ça une image de résolution plus grande. Ok, d'accord. Ok, je comprends. J'avoue que j'ai pas la définition exacte, mais ok. En vrai, ça évolue tellement, putain, bordel. J'ai hâte de voir ce qui va se passer un jour. J'ai hâte de voir la suite de tout ça. Là, il y a du monde, mais ça fait plaisir. Là, putain, let's go. Et les gars, la Caillou Cup, là, tous les mardis. Tous les mardis, 20h30, est-ce que vous êtes chaud ce soir? Non, ouais, ça fait plaisir. C'est un plaisir de vous voir aussi nombreux au rendez-vous, les amis, sur la Caillou Cup des mardis. Déjà. Oh non! Non, Roblochon! Ah, mais ça, c'est le skin du Goomba, ça. Ça, c'est le skin du Goomba. Ça, c'est que la dernière année d'études. Elle est plus tranquille, la dernière année d'études, Medusa. Tu m'avais dit, la mode, c'était quand même. C'est quand même chaud, les études, donc. En vrai, toute ma force, Medusa, j'espère que ça va le faire cette dernière année. Et j'espère que derrière, tout va bien se passer, que. Bah, que l'entrée dans le monde du travail, etc., que tout va bien aller. De toute façon, je vous souhaite à tous, et bref, hein. J'espère que tout va bien se passer pour vous. Et j'en doute pas une seule seconde, vous êtes des craquitos. Vous êtes des vrais craquitos, bien sûr. Oula, je sais pas qui était Bébé Daisy, mais rip à toi, Bébé Daisy. Hein. Super, j'ai... Oh non. Bah, en vrai, normalement, on relance le jeu, ça devrait aller. Mais putain, force à vous, les copains. Oh putain, je suis désolé, hein. Si ça bug, là... Une fois, j'y suis pour rien. J'attendais dans un groupe seul, dans un mauvais groupe. Ah, t'avais pas mis le bon code? Merde. Oh non. Oh non, 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 non. Ok, je m'en fous, je vais aller l'aggro. M'en fous, connard, je vais l'aggro. C'est très bizarre de dire ça.
Mais bon, c'est important là. Je dois me venger. Oula. D'accord. Bon bah bébé Dessia. J'aurais pas dû me foutre de sa tête. Parce que bon là du coup je me suis fait un peu niquer. Ok. Bon bah les gars, dernier tour, je me fais détruire. Comme on le dit là, je suis en train de me faire soulever. Ok, est-ce que j'ai le shroom là? Ok, ça va, j'ai réussi à gratter quatrième. Putain, oh la cata, elle était super dure ce game hein. Ah bébé, ah mais non, bébé Daisy c'était le bot. Putain, le bot qui nous fume la gueule. Attends, mais y'a tout le monde qui a crash là les gars. Mais Nintendo pas... Ouais, non. Attends, il s'est passé quoi les gars là? Y'a full crash là? Ah mais je vous assure c'est pas moi. Et je vous assure c'est pas ma faute les gars. Et je vous assure que j'y suis pour rien. Je plaide non coupable. Je plaide non coupable, j'y suis pour rien pour la co. C'est pas moi, c'est pas moi qui vous fait crash. Je sais que peut-être que j'étais dans le délire. Oui, je veux gagner ce tournoi, donc je l'ai fait tous crash. L'online est en panne. Non, Oriane, touche du bois. Non, Oriane, me dis pas ça là. Non, je vais avoir mal au cœur là. Déjà que la dernière fois on n'a pas pu jouer à MK à cause de ça. Parce que c'était impossible de créer une game. Ils sont déjà au DLSS3 sur les cartes graphiques. Ouais, du coup ça fonctionne vachement bien. Mais après du coup il faut quand même les transformer en modèle miniature. Donc forcément ça reste quand même complexe. C'est l'enfer sur Terre la dernière année. Je me doute, mais force en tout cas, dis-toi que c'est bientôt la fin. Et après t'as des pistes ou pas pour la suite Médusa? Quand ça bug, ne vous inquiétez pas, vous êtes juste trop fort pour... Exactement, c'est ça, David. Mais vu, en fait, c'est moi qui leur dis qu'ils sont trop forts. Et du coup, en fait, derrière Nintendo, bah, en fait, il les fait crash. Comme ça, bah, en fait, derrière, moi, je... Tu vois, je peux gagner tranquille. Enfin, vu qu'ils sont trop forts, un peu la flemme, tu vois. Un peu la flemme de me faire casser la bouche. Merci, Connor, de m'avoir... Ah, Connor, vraiment, le pseudo est compliqué, là. En vrai, je peux pas te prononcer ton blast sans me taper une barre, quoi. Ok, mais ça va, j'avais de quoi me défendre. J'avais de quoi me défendre. Coucou Narukis, comment ça va? Bon ça va, en vrai tant que le online ne bug pas, on est bien, ok les gars, on est bien. Ok, pour l'instant ça va. Pour l'instant on est deuxième, c'est pas si mal hein. Rocky God, mais oui, mais Benji en fait, tu t'avais dit. Merci en tout cas Benji d'avoir hacké les cerveaux Nintendo. Les serveurs de Nintendo, parce que comme ça grâce à toi, bah, tu vois je peux finir peut-être premier là. Si tu peux rebalancer un petit coup de hack aussi, s'il te plaît, ce serait vraiment super, genre. Les bots sont trop forts, c'est pas normal, ça. Mais j'avoue, les bots, je les ai mis en élevé, mais les bots nous cassent la bouche. Est-ce que c'est normal? Je sais pas. Je ne saurais pas vous dire, les amis. Bon, après, voilà, si vous faites battre par des bots, voilà. Bon, après, le Kamek bot m'a fumé la gueule, mais t'inquiète. Non, mais les bots, vous êtes des amours. Ça fera plus 300%. Y'a pas de soucis, t'inquiète, Benji. Y'a aucun souci, on en discute après en MP, t'inquiète. Avec plaisir. Ok, bon là on en revoit une rouge là. Ok, on en... Mais non, je voulais juste leur envoyer une rouge au ref là. Ok, on a 5 pièces, on est bien. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on fait ça. Mais non, mais je méritais pas de la chou... Ok. Oh là là. Oh là là, ça m'est bien. Non, non. Non, non, non. Non, pas les... Oh putain quoi gros, pas les... Il y avait les petites plantes de feu. Et les petites plantes de feu, elles m'ont mis trop mal là. Bon ça va. Oh putain. Il y a bien le Naruki ça. Nintendo, ça a encore recrash Smash. Oh non putain, il m'a volé le double. Ah je suis dans la merde. Oh bon c'est pas grave. Tant pis. On va pas pouvoir rattraper parce qu'on n'a pas eu le double. Oui, j'arrive à gratter. Let's go, j'ai réussi à gratter la place. Let's go. Oh, ça met bien ça. Oh, ça met bien, bordel. C'est bien. Aucun crash de mon côté, je défonce la game dans laquelle je suis. Ça va, tant que tu te fais paniquer par des bots, ça va. Ah, merci beaucoup, LC. Eh, hey, j'essaye de me mettre bien, là. De faire un petit truc sympa, là. Un petit peu cosy, pour que les gens soient bien. On essaye. Mais c'est vrai, en vrai, c'est cool. Surtout, en vrai, ça demande pas grand-chose de live, enfin, avec TikTok à côté, donc autant le faire. Puis si ça peut convertir quelques adeptes à la secte des cailloux, bien sûr, avec plaisir. Avec plaisir, bien sûr. Coucou Shitsui, comment tu vas? Bienvenue à toi, en tout cas, merci beaucoup pour le follow. Reculer pour ne pas prendre... pas se prendre la bleue. C'est vraiment le move de tricheur que je déteste. Bah, malheureusement. Sauf qu'après, derrière, du coup, toi, tu te prends la bleue et... compliqué, hein. Voilà la forme, Shitsui. T'as rejoint un peu le tournoi ou pas du tout?
Ça fait plaisir. Allez, un petit peu d'eau. Buvez de l'eau aussi. Bien important, hydratez-vous. Ah, très bien, Shitsui. Hâte de tomber dans ta game. Hâte de tomber dans la game. Moi, je veux voir. J'aimerais bien, en tout cas, essayer de taper un peu tout le monde. Là, du coup, on a des courses qui changent toutes les... Enfin, on a des rooms qui changent toutes les 4 courses. Donc, c'est plutôt pas mal. En fait, le but, quand même, c'était de... d'essayer de... ouais, que tout le monde se joue, quoi. Qu'on reste pas dans la même room. Ce jeu faisait soulever. Moi j'avoue que enfin, les moves de compète je connais pas du tout, j'ai jamais vraiment regardé du MK. Enfin j'en ai regardé un petit peu, genre il y avait la WF que je regardais un petit peu à l'époque. Mais c'est vrai qu'en ce moment je regarde plus du tout. Genre j'ai vraiment plus le temps genre. Weep weep. En tout cas tout ce qu'il faut retenir c'est que les Français on est chaud sur MK. Et ça fait plaisir bordel. Bon, on est peut-être pas aussi chaud que les Japonais, mais on s'en rapproche et ça fait plaisir. Tout nous est pétillante même après le congèle. Ou c'est juste la dépression? Ouais, c'est la dépression de la température. C'est pas la dépressurisation? Je sais pas, je veux pas dire de bêtises. Mais je sais pas. Parce que la dépression de l'eau... Non, si, c'est ça, c'est vraiment la dépression de l'eau, my bad. Je sais pas, mais ouais, en fait, je crois que c'est ça. C'est à cause du congèle, vu qu'elle a pris beaucoup d'espace. Oula, bon là, j'avoue que... bon. Non mais on grappille là, on grappille de l'eau. Dépression généralement elle rend pas trop pétillante. En vrai elle est dure comme blague mais elle est pas mal. Oh putain. Non mais je sais pas, moi-même non plus Benji, je sais pas, je suis perplexe. Ok, bon pour l'instant notre deuxième tour. Ok, là on a quoi? On a 8 pièces. Putain, mais merde, j'ai ma bouteille d'eau qui me cache les pièces. Oh, je suis dans la merde. Oui, dépressurisation. La dépressurisation de la cabine. Oui, non mais c'est ça, voilà, du coup, oui. En fait, vu que j'ai mise au congèle, je crois que derrière, elle a... Ah, bon, ça me met dans la merde, ça. Ça, typiquement, ça m'a vraiment mis dans la merde. Non. Non, je l'ai pris aussi. Non, mais je l'ai pris aussi, bordel. Non, mais je me fais mettre à l'amende. Non, mais je me suis fait mettre à l'amende à la fin de cette game là. Non, non, non. Non, si je me suis fait mettre à l'amende. Ah, c'est l'amende, hein. Ah, c'est l'amende, ça m'a mis mal, hein. Là, je vous le dis, les gars. Bon, pas très bien, là. Tant pis, malheureusement. C'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. Ça pourrait être mieux. On aurait pu faire mieux, mais malheureusement. Et t'es chaud sur MK, Shitsui? En tout cas, je rappelle, mais on fait ça tous les mardis, les potes. Tous les mardis, petit tournoi. On essaie de se la donner, on essaie de montrer le meilleur niveau de nous-mêmes. Pip, 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 pip. J'ai mélangé plusieurs phrases en même temps, t'inquiète, y'a pas de soucis. Mais ouais, c'est ça, j'ai l'impression qu'en route, vu que je l'ai foutu dans le frigo, dans le congèle, genre, bon, là, ça a l'air d'aller, mais ouais, ça fait un espèce de truc gazeux, quoi. Faudrait que j'aille remettre de l'eau dedans. Pour profiter de ce magnifique glaçon là, ce petit iceberg tard Titanic, bien sûr. Ah ouais, 200 cc. Putain, t'es déter de fou, Shitsui. Putain, je déteste le 200 cc. Et j'ai envie d'insulter la personne qui a inventé ça. Ouais, le karma est violent, David. Hein. Malheureusement, le karma, il fait mal au fiac. Hein. J'avoue que je regarde plus les compètes de MKWii. Y'a des compètes encore sur MKWii? Jure, j'étais pas au courant. Je pensais même pas qu'il y avait encore des gens là-dessus. Super Caillou. Oh, Fubuki. Exactement, buvez un max d'eau. Je suis un bon Merci caillou. Beaucoup pour le 5ème mois. Merci beaucoup, comment il va le Fubuki? Bon, le jeu me dit que j'ai fait toutes mes courses et que mon classement comptera pas. Ok, moyen de rejoindre une room, mais je me retrouve... Quoi? Sérieux, Asterix? What the fuck, c'est trop... Bah pourtant, les rooms sont pas pleines. Donc c'est trop bizarre, t'as essayé de redémarrer le jeu? Putain, mais c'est super chelou. Pourtant t'as le bon code tournoi. Wouah, c'est spécial. Et re, Scotta, ça marche. Y'a pas de soucis, c'est bon. Si ta meuf a arrêté de voler ton tel, c'est cool. Peut-être qu'elle vérifiait au cas où, peut-être, tu sais, les petits messages Snapchat ou quoi. Oui. Mais j'avoue que c'est relou, ça, what the fuck. Oui, ça fait ça. Mais ça, c'est toujours la faute de Nintendo, ça. Ça, c'est Nintendo qui veut pas qu'on fasse nos tournois, là. Ça paraît tellement doux, j'avoue. J'avoue, par contre... Ah.
Oh let's go. Oh l'éclair qui a niqué le. Oh non. Oh mais ça c'est chiant ça. Mais ouais, mais j'avais rien. Ouais, j'étais un peu dans la merde, j'avais rien. On va quand même récupérer les pièces. Ok, là vas-y, il me faut d'autres systèmes. Il faut que j'essaie de rattraper. Je peux pas me laisser là-dessus là. Vas-y, on prend pas les cuts hein. En vrai les cuts je les connais pas assez bien. Enfin je les connais mais genre je les régule pas assez donc on va éviter de crever. C'est peut-être une bonne chose. Ok, donc là je vais prendre juste ça. Hop. On prend le petit cut avec le petit shroom. Cette map j'aime pas trop perso. Le royaume des jouets là. En vrai ça va. Ça va. Ou la route ruban, je sais plus. En vrai ça va, c'est pas. On va dire que pour moi je pense que c'est pas la pire mais je trouve que c'est pas la mieux. Je trouve qu'elle est. Elle est. Ouais, je sais pas. Genre par exemple le cut de fin il est obèse tu vois. Genre si jamais tu vois t'as genre pas de champlard, bah tu te fais niquer quoi. Genre t'es vraiment dans la merde. Ouais l'énorme log mais derrière je me suis fait niquer. Si j'ai un shroom je. Putain. Ça met mal ça. Ça met mal alors. La bombe elle m'a vraiment mis pas bien. La bombe elle m'a vraiment mis pas bien. Bon c'est pas grave, c'est chose qui arrive. C'est tout est dans le mental. J'ai toujours pas fait de course, mais ouvert démarrer trop fort, j'en peux plus. Mais vraiment Nintendo, je vais arriver, je vais taper du poing sur la table hein. Vous allez voir ce que je vais leur faire les Nintendo là. Et non mais dis pas ça Lolo, dis pas ça. Je te l'ai envoyé en DM pour que tu vois. Attends, ça te met quoi exactement? En DM sur quoi, sur Instagram? The fuck? Attends, vas-y, je vais voir, ça met quoi? Bizarre. Vas-y, la photo, elle. Ça veut pas charger, bordel. Et pourquoi tu ne veux pas charger? Charge la con de toi, là. Oh! Mais il veut pas. Là, il y a mon Instagram qui est full PLS. Je vais enlever le Wi-Fi. Parce que là, Instagram en full PLS, il veut pas. Ok, donc ça, c'est nous. Oh, let's go, je rejoins le Goomba. Ah, c'est trop bizarre. Genre là, Instagram PLS, hein. Je sais pas vous, moi, mais Instagram PLS, hein. Y'a rien qui charge. Je ne peux pas. Bon bah je ne peux pas. Stex, je ne peux pas regarder ta photo. Mais non, vous êtes partis. Oh non, j'ai le seum. Ils sont tous partis. Je trouve qu'elle est jolie, mais le tracé, j'aime bof. Bah en vrai, tu sais, ouais, c'est coloré comme tu dis, mais moi ça fait pas partie de mes maps préférées. C'est pas une map que je déteste, mais c'est pas. Quoi? Non mais Bab, c'est pas des dingueries comme ça là. Non mais fais pas des choses comme ça, dis pas ça. Dis pas que je suis dans le rewind alors que je suis pas. Non, tu me fais des ascenseurs émotionnels frère. J'aurais trouvé mettre dans le rewind mais je t'aurais dit comment, pourquoi j'ai rien fait de dingue. Genre quand j'ai commencé à danser sur mon stream et que j'ai fait tomber ma table avec le gâteau dessus, avec tous les couteaux, j'ai pas été dans le rewind alors là bon. Tu veux que je sois dans le rewind parce que j'ai dit quoi Bah rebug. Oh non mais ça dégoûte, mais c'est nul là, il se passe quoi ce soir? Il se passe quoi ce soir? Roblochon il est fort et je ne parle pas du fromage. Sacré Roblochon. Dis donc. Sacré petit Roblochon. Ouais là ça a changé de room exactement. Ça fait 4 courses donc normalement ça a changé de room. Logiquement. Mais du coup je sais pas si je suis avec les mêmes qu'avant ou pas. Bah en fait j'ai l'impression d'être un peu avec les mêmes qu'avant genre. Ça m'a rechangé de room, mais du coup ça m'a changé avec d'autres personnes avec qui j'étais déjà. Bon après c'est toujours à peu près ça, tu sais. C'est pour ça que ça marche. Parce que forcément si tu mets les grosses têtes d'affiche, bah... En fait si tu mets un mec qui est random, que personne connaît, les gens ils sont en mode bon, on s'en bat les couilles quoi. Malheureusement. Buvez de l'eau dans 20-30 ans, il y aura plus. Exactement. Un grand géologue, ouais c'est le... le grand géologue, ouais. L'eau, ouais, non, mais profitez de l'eau, bien sûr, c'est important. Putain, je suis à côté de ma box. Mais je pense pas que ce soit ta connexion, Yuneo. Là, c'est vraiment, genre, juste le online, hein. Le online qui est capricieux, quoi. Non, vraiment, le bug, il est capricieux. Et putain, je me suis fait un peu rattraper, là, quoi. C'est un peu chiant. Ouais, mais ça arrive très, très peu, quoi. Genre, même si tu les tags avec des trucs stylés, ils sont en mode, bon, bah, balèque. Pui.
Après ouais, il y avait aussi Bandage qui est passé, qui est pas qui est un moyen streamer on va dire, mais c'est vrai que bon. Je sais pas, en vrai, je sais même pas comment ils font pour les clips. Est-ce qu'on leur propose, est-ce que s'ils vont les chercher d'eux-mêmes. Mais de toute façon, je pense en vrai pour les clips, ils doivent juste aller regarder les chaînes, enfin les chaînes des gros streamers et puis puis ils font ça comme ça, je pense hein. Le but à boire des litres et des litres, mais l'eau c'est chiant un peu des fois. Notre pitié, on n'a plus de bulles. Mais achète une soda stream. D'ailleurs, si jamais vous voulez me sponsor soda stream, n'hésitez pas. Non, en vrai, soda stream, en vrai, ça peut être banger. Hein. Si tu bois beaucoup d'eau gazeuse, en vrai, la soda stream, elle est vraiment cool. Sauf qu'en plus, derrière, tu bois pas boire de l'eau gazeuse avec beaucoup de sel, quoi. Donc ça reste beaucoup mieux, je pense. Et sauf qu'en plus, je crois qu'il y a. Je sais pas si c'est pas Philips, mais il y a des sous-marques de soda stream qui sont sorties. Et genre qui sont beaucoup moins chers donc en vrai ça peut être famille. Coucou Thomas, comment vas-tu? Je pense que c'est des clips qui repassent beaucoup sur Twitter. Ouais. Bah après c'est les trucs récents, c'est des trucs qui datent de moins d'une semaine. Donc oui, soit des trucs qui passent sur Twitter, après bon. Je sais pas trop comment ça marche. J'avais essayé d'envoyer des trucs sur Twitter hein, mais je l'ai fait deux fois, j'ai jamais eu trop de réponses, donc en vrai j'avoue que j'ai pas cherché à comprendre, je me suis pas pris la tête et. Mais bon. Ok. Goumaxou, comment ça va? Et les re-Oxens. T'étais parti manger, Oxens? Bah écoute, comment se roule le live? Ça va. Pour l'instant, on n'a pas fait beaucoup de points, mais au moins on est régulier. Genre là, j'enchaîne les deux troisième places. Je fais pas mieux, j'arrive pas à finir premier. Mais on enchaîne un petit peu les bonnes courses, on va dire. Tu vas bien, Maxou? Ça a été ta journée? Oh putain, je me suis fait doubler par Nicki Minaj. Oh putain, coucou Alan. Comment il va celui-là, là? Allez, Nicki Minaj, je sais que tu... Montre-nous que tu faisais conduire. Oh ouais, là, c'est Nicki Minaj incoming. Hop là. Ah, j'ai fait... Il n'y en a aucune qui a touché. Hein. Il n'y en a absolument aucune qui a touché. Mais c'est pas grave, hein. C'est dans la tête, hein. Ok, tac, on va aller récupérer la pièce. Donc pour l'instant, on est que quatrième, mais on va remonter. On va remonter petit à petit. Hein. Et donne une collab à SodaStream. Hein. Tu nous vends... Mais non! Mais ça va, je l'ai dit deux fois en deux mois, je pense, j'ai parlé de SodaStream. Mais en vrai, ouais, ça se tente. Hein. Bah en vrai, les gars, j'ai quand même envoyé des mails à des marques de croquettes pour chats. Hein. À partir de là, faites du bac, regardez. Hop là. Bon, je sais pas si c'était worse, mais c'était drôle à faire. J'ai bien aimé. Non, vous avez pas eu les yokus là de prendre les bleus là. Prenez les bleus. Mettez-vous humble hein. Vite fait là. Dans la tête. Mais non, en vrai, franchement, j'ai envoyé des mails et des marques de croquettes pour chat. À partir de ce moment là, oui, je peux faire absolument tout, oui. On peut demander à SodaStream, bien sûr. On peut leur faire un petit coucou. Hey, je sais pas à quoi ça va servir. Ils vont pas m'envoyer des SodaStream quoi. Je vais en faire quoi moi à force? Après peut-être une sponsor de Roblochon, je dis pas non en vrai hein. Petit sponsor Roblochon avec plaisir hein. Ça se tente hein. Bah la forme Maxou, ça, franchement ça va bien. Petite journée chill, j'ai été au truc de Pôle emploi, c'est bien passé, reposant. Bon il faisait pas. En vrai ça va, il faisait pas trop chaud à Bordeaux aujourd'hui. Donc c'était plutôt cool. Ouais c'était un peu blast, un peu bancal là. Bon, il faut que je chope un truc là, il faut que au moins je passe deuxième. Oh let's go. Allez, s'il te plaît, donne-moi un bon item. Mais j'ai dit donne-moi un bon item, j'ai pas dit donne-moi... Il m'a donné un... Comment tu veux que je rattrape quelqu'un avec un champignon, là? Comment ça? J'avoue qu'une soda stream peut être un bon investissement, mais une cartouche, c'est quoi la durée de vie? Bah, en vrai, dis-toi, la durée de vie de ma première cartouche... Je fais la blague ou pas? Est-ce que je fais la blague ou pas? On va peut-être pas faire la blague, hein? Je vais pas dire une minute trente. Non, du coup, là, je crois que j'avais fait, j'avais passé 3 ans, je pense. Après, ça dépend de l'utilisation que t'en fais. Si tu l'utilises tous les jours, je sais pas, peut-être un an après, c'est genre 20 balles la cartouche, tu la ramènes en magasin, ils t'en ont une nouvelle. Genre 20 balles. En vrai, ça va, tu vois, c'est pas. Et surtout, si tu bois que de l'eau gazeuse, ça va. Coucou, Yann! C'est-à-dire quoi? À partir de là, je peux tout faire. Les croquettes, c'est le bas du panier, c'est ça? Non, mais non, c'est pas ce que je veux dire. Il faut pas. Non, mais c'est-à-dire que, en fait. À partir du moment où j'ai demandé une sponsor pour des croquettes pour chat, je me dis, franchement, il n'y a plus rien qui me choque, tu vois. Est-ce que vous avez déjà vu des gens mettre en avant des marques de croquettes pour chat? Non. Mais je me dis que vu que j'ai Spook qui est là,
et qui justement bah qui est en train de miauler H24 en mode miaou miaou, je veux des croquettes, bah il faut que ça rentre quelque part les croquettes hein. Et vu qu'il les paye pas et vu qu'il taffe pas, bah forcément faut trouver des moyens. Donc voilà, bah j'ai les marques de croquettes, j'en ai contacté 5, il y en a 2 qui m'ont répondu favorablement. Oh putain. Et bienvenue à toi Irène, bienvenue. Merci beaucoup pour le follow aussi, coucou Paymon, merci beaucoup pour le follow, bienvenue. Comment t'es arrivé ici Irène? Alors je sais pas pourquoi mais ton pseudo me dit quelque chose. Genre je sais pas pourquoi mais ça me dit quelque chose Irène, ça me dit un truc. Peut-être déjà vu passer quelque part dans des streams qu'on regarde en commun peut-être, je sais pas. Une sponsor cannelée, c'est parti, ouais, vive les bordelais sponsor cannelée. C'est comme si tu disais un... Du coup est-ce que c'est raciste de dire ça? C'est comme si tu disais un breton qui fait des sponsors paléo beurre. Je rigole bien sûr, je rigole. Ouais, en vrai ça m'avait ça m'avait duré 3 ans je crois, à peu près. Donc globalement en vrai si tu t'en sers beaucoup, ouais, peut-être 1 ou 2 ans, tu vois, mais c'est 20 balles pour la recharge de... Bon ça va, en vrai la cartouche ça va. Ça dure 1 mois une bouteille de CO2. Bah je t'assure que ça fait bien plus d'un mois que je l'ai. Là tu vois ça fait 1 an que je l'ai changé. Et genre en vrai ça m'est trop bien hein. Genre vraiment ça fonctionne comme au premier jour, tu vois. C'est un peu comme un couple. Goût fufu. Je débute, j'entends. Et coucou Naki, comment tu vas? Y'a pas de soucis. Mais ouais, j'avoue, ça fait longtemps mon petit Naki, tu dis quoi de beau toi? C'était ta rentrée? Moi ça va, écoute, tranquillou là. Les streams, on a bien repris, je m'étais pris quelques petites vacances cet été. Bref, ça fait du bien, on est motivé, ça lâche des petits MK, tout ça. Et tu joues un petit peu à MK, Irène, ou pas du tout? Ah, peut-être que t'es déjà en game aussi, hein. C'est possible. Hein. C'est déjà en game, je suis désolé. Merci beaucoup aussi Paymon hein, pour le follow. Merci à vous. Hein. Quand je vais sur les streams des gens que je connais pas, bah, ils me connaissent. Ah, mais t'es le mode de rock. Bah ouais, tu deviens une star en fait. Tu deviens une star, Babs. Voilà. Ouais. Une sponsor galette saucisse, c'est parti. En vrai, let's go, banger en vrai. Hein. Ah, moi je. Vas-y, moi ça me va. Hein. Petite galette saucisse, non parti, hein. Et si c'est de la bouffe, c'est bon, ok, sponsor bouffe pour char. Comme ça, je la paye pas, mais sponsor pour ma bouffe aussi. Hein. Fais-lui un Insta, celui-là a plus d'abonnés que toi. Ouais, en dodo, ouais, y'a moyen. Y'a gros moyen, les gars. Mais je pense qu'en vrai, je vais vraiment me déterrer à faire un compte Insta pour Spook ou un compte TikTok, genre. Je me dis, ça peut être drôle. Donc comme ça peut faire des croquettes gratuites. Non, mais c'est important. Après, une sponsor soda stream pour vous en faire gagner une. Ouais, c'est ça. Bah, ça serait l'idée, quoi, Benji. De toute façon, même si je fais des sponsors, à tout moment, je vous fais gagner des paquets de croquettes. Alors au début en disant ça je pensais que ça allait être vraiment cool, mais bon. Non mais ça va, c'est cool non, genre de vous faire gagner des paquets de croquettes. Vous voulez pas genre gagner des paquets de croquettes les gars? Enfin genre soyez genre enfin aimable quoi. Genre enfin aberrant. T'y vas Flav? Bonne nuit, des bisous. Des bisous le Flav. Mais non frère, c'est quoi ça? Je me suis fait soulever là. Ah, j'ai pris un peu de tarif là. Ah oui, sur les lives du Troubs. Ah oui. Ouais, c'est possible. Le live du Troubs, bien sûr. Ouais, je connais bien le Troubs, ouais. Ça fait longtemps que je suis pas passé le voir, parce que je crois qu'il streamait pas trop cet été. Mais ouais, bien sûr, je le connais bien, le Troubs, ouais. Joue, mais pas à MK, là, ok. Et ça joue à quoi de beau, du coup? Aki Tonron, il me connaissait. Ouais, mais oui, Aki, je connais, en vrai, Aki. Ben, en gros, avant, il faisait de la compète MK, et du coup, bah, il était passé sur mes lives, et on avait grave discuté, en vrai. Je crois que c'est aussi Je crois que c'est un 99 ou 2000 et du coup c'était bien entendu. Franchement c'était un gars super, acquis. La sponso, pas les bretons, tu prendras 15 kilos en 2 heures. Et après on va faire une sponso fitness park. Et comme ça derrière je repère les 15 kilos. Moi je pense que le bail est bien. Genre sponso pas les bretons et Canley into sponso fitness park. Comme ça paf, je perds ce que j'ai gagné. Moi j'ai un peu le seum, j'ai testé pareil de tous mes potes parce que j'ai fait un peu de la merde l'année dernière, mais si tout va bien c'est nice. Bah en vrai Naki, j'ai envie de te dire, c'est peut-être mieux. Merci beaucoup pour le raid, coucou, hello. Merci beaucoup, Kouen, merci beaucoup pour le raid, bienvenue. Et coucou Sheima, et coucou Sheima Ribot, bien sûr. Coucou à tous, bienvenue, comment allez-vous? Bien, j'espère que le stream sur Disney Dreamlight s'est bien passé. Alors là, du coup, on parlait en fait de sponsor pour croquettes pour chat. Voilà. Et en fait, je disais que en fait, peut-être je vous ferai un giveaway de croquettes pour chat.
Et en tout cas, j'espère que ça vous fera kiffer, hein. Voilà, des petites croquettes pour chats, voilà. Si vous voulez en manger, vous, il n'y a pas de souci, hein. Mais de base, c'est quand même pour les chats. Mais si vous voulez vous faire plaisir, n'hésitez pas. Bienvenue à vous, comment allez-vous? C'était cool, Disney Dreamlight. Si t'es une sponso bretonne, tu me contactes, ça marche, Fufu, avec plaisir. Ce sera toi l'ambassadeur du pôle Bretagne. Écoute très bien, et toi, Shaima, t'as passé une bonne journée? Et bah, n'hésitez pas en tout cas à les follow Cohen qui fait beaucoup d'Animal Crossing, qui en ce moment reprend Dreamlight, Disney Dreamlight, qui fait aussi des Sims, qui a fait un 24h aussi ce week-end. Donc n'hésitez pas à aller checker un petit follow, tout ça, tout ça. Bah écoute, la forme, Shaima, t'as eu ta rentrée toi ou pas? Je sais que c'est un peu différent ou quoi, mais je sais pas si t'as eu ta rentrée. C'est pas en fixant mes plaques que ma bouffe va se faire toute seule. Bah si jamais tu trouves le moyen que ça se fasse tout seul, tu me dis, hein, Ryan. Tu me dis c'est important. J'avoue que je serais très chaud. Et bon app, Fufu, bon app à toi. Et du coup ici pour se présenter vite fait, on fait tout et rien. Mais en vrai ici on joue un petit peu on fait du MK tous les mardis, on est très délire Nintendo, on fait un peu d'Animal Crossing aussi de temps en temps. On fait du coup du Zelda Kingdom, on fait du Mario Odyssey, en ce moment on finit Zelda Wind Waker, on va faire aussi du Professeur Layton. Je pense qu'il y a moyen les potes que semaine prochaine on se commence Professeur Layton. Ça marche, des bisous Naki, et on se reparle très vite, enfin tu essaies de repasser quand tu peux, t'inquiète. Mais en vrai c'est peut-être pas plus mal ce que je disais Naki, que tu sois pas justement avec les... Enfin pas avec les potes, mais genre en vrai si ça te permet de te mieux te focus aussi, ça peut être cool. Hop là, bon ok c'est bon, j'ai fini 6ème, c'est un peu la dèche mais bon. Je suis en train de jouer à Palia. Ah, Palia. Ok. Mais j'avais testé Palia et j'avoue que en vrai, j'ai aimé, mais en fait, vu que j'ai eu du mal à voir l'objectif un peu final, ou en tout cas, tu vois, le pourquoi du comment tryhard, j'avoue que ça m'a mis un petit peu un coup de frein. C'est quoi le display Pokémon? Alors, en gros, le sub-goal pour le display Pokémon, en gros, c'est-à-dire qu'on va s'ouvrir une display. Donc, c'est-à-dire qu'on va s'ouvrir 36 boosters de Écarlate et Violet 2, c'est Evolution Paldea. Du coup, on va faire un stream vraiment que dédié à ça, où du coup, on ouvrira 36 boosters. Voilà, donc si jamais vous êtes chaud, hop, il y a le petit sub-goal, si jamais ça vous dit. Et c'est chaud aussi qu'en ce moment, il y a le September, donc c'est-à-dire que si jamais vous prenez un sub, vous avez moins 25% de réduction, c'est-à-dire que vous payez 3€. Et si jamais vous souhaitez prendre 6 mois, ça vous coûte du coup 4 mois au lieu de 6. Ça, c'est important. Sponsor, il me paraît une évidence. Après, si tu veux, chez Rachou, tu m'envoies un petit DM et après, t'inquiète, je te fais gagner le concours, hein, pour la pâtée, si tu veux, avec plaisir. Ah mais voilà, donc c'est pour ça Yriel. Mais le monde est trop petit. Non mais le monde est trop petit, moi je vous le dis, le monde est beaucoup trop petit. Ça marche, des bisous, ouais, des bisous Naki et Force, t'inquiète pour la rentrée et tout, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et voilà, non mais le monde est beaucoup trop petit. Quand il y a des gens qui me disent oui mais en fait je t'ai vu là, mais en fait là aussi, mais là, ça, en fait c'est drôle parce qu'en fait le Troubs, aka le troubadour des internets, aka Tibolove, aka beaucoup trop de trucs, le T, on avait fait une web TV ensemble, en gros à l'époque, bon, c'est il y a un an, on avait lancé du coup la séance, qui était une web télévision, on faisait du coup des émissions, que ce soit des émissions d'actu, des émissions sur les jeux vidéo, des émissions sur les mangas, on faisait plein de choses comme ça, et c'était vraiment le feu. Malheureusement, forcément, dû à des contraintes de planning, dû à des contraintes de temps, on a dû stopper tout ça, mais c'était une super expérience, franchement, d'avoir monté notre propre web TV avec nos idées, nos concepts, nos jeux, et avec une super équipe, franchement, des gens que j'apprécie beaucoup et avec qui je continue encore de discuter, que vous connaissez peut-être. Du coup, il y a le Troubs, il y a Earthmoon, il y a Adalish, il y a Morgy Practice, il y avait Jaster, il y avait tellement de monde, il y avait Captain Barbarossa, Azuna Sanchi aussi, bien sûr. Bref, plein de gens et franchement, c'était ouf. Porte très bien son pseudo. Nuno, je m'approche pas de toi, hein. Dans une game à 3, bah profite, faut grappiller des points dans ces cas-là, hein. J'avoue que là, ouais, le niveau Punto, c'est pas ouf. Mais ouais, du coup, Palia, les amis, j'avoue que je pense pas forcément continuer. Parce que c'est vrai que Palia, c'est... je trouve que c'est un jeu qui est beau. C'est un jeu qui a l'air vraiment intéressant de fou. Mais pour moi, le seul problème, c'est que j'ai du mal en fait à me dire, ok, je vais tryhard, mais pourquoi exactement? Ça paraît un peu bête comme ça, mais bon. Merci beaucoup V pour le follow sur TikTok et merci beaucoup pour les likes aussi. C'est très gentil.
Ok, je finis troisième avec le petit cut là. Ça va, ça va bien. Mais bon, en tout cas, et merci aussi à Erwan pour le follow. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci à toi BG. En vrai, on a plein de connaissances en commun, donc je comprends. Ouais, c'est pour ça. Mais c'est pour ça, ouais, le pseudo me disait quelque chose. Je sais pas. Et je pense que si on cherche, il y a encore d'autres streamers que je connais, que vous connaissez. Enfin, que tu connais. Parce que vraiment, je pense très clairement que. Bah, je commence à connaître plein de monde sur Twitch, genre plein de potes et tout, etc. Bah forcément après il y a des affinités plus que d'autres etc. Mais c'est vrai que bah, je vais très souvent sur pas mal de streams parce que j'ai plein de copains. Pareil à la TwitchCon, genre c'était vraiment le feu. Genre à la TwitchCon genre je me suis bien amusé, j'ai vu tellement de monde. Genre là je regarde mes follows, j'ai vu Chaton In Game, j'ai vu General Mass, j'ai vu Azuna, j'ai vu qui d'autre bon j'ai pas vu d'autres personnes mais bref ouais. Non en vrai j'ai vu plein de monde et franchement c'est trop cool. C'est trop cool. J'aime bien aller sur le stream des autres, etc. Aller chill. Oui. Ouais, pas aller, faut aimer farmer, mais c'est que j'ai du mal, tu vois, à me dire. Ok, tu vois, je veux farm, mais pour quelle raison? Oh, il y a grand chance, c'est sûr. T'es en recherche de joueurs, Oxens, là? Oh putain! Oh la crise! Non, vraiment, en ce moment, là, Nintendo à l'aide, hein. Qu'est-ce que c'était fatigué à l'époque de la Web TV, en vrai? J'étais fatigué. Oh, bah, en vrai, en fait, dites-vous, à l'époque de la Web TV, lorsqu'il y a eu le lancement, les gars. Je faisais 9h-17h au taf et encore 9h je pouvais arriver et encore je pouvais finir peut-être 17h-18h. Après ça, du coup j'avais les émissions souvent. Parce que ça m'arrivait de faire genre 3-4 émissions par semaine. Bon les 3 émissions par semaine de 2h mais sachant qu'il faut les préparer. Derrière j'avais les streams sur la chaîne perso où j'en faisais 3. Ouais c'était vraiment une période où bordel je me la donnais à fond et c'était le bordel. C'était vraiment le bordel. Ça paraît une éternité, mais oui, ça paraît il y a une éternité, alors c'était il y a que un an en fait. Il y a que un an. Mais ouais, du coup, cette période, c'était vraiment une chouette période, mais c'était une période, bordel, où j'étais. Où je me la donnais à fond et c'était compliqué quoi. C'était vraiment, vraiment compliqué, j'arrivais pas à gérer tout en même temps. Et du coup, forcément, même si je suis un peu triste, je me dis que c'est peut-être mieux parce que ça m'a permis de mieux me cadrer sur mes projets, etc. Je pense que c'est important. Et coucou Lugot, ça va mieux. Mais merci beaucoup et merci à toi de prendre le temps de me découvrir, Irian. C'est très gentil, mais en vrai, vous me remerciez, etc. Oui, pour le stream, etc. Mais c'est merci à vous de prendre le temps de passer, de venir chill, de venir discuter. Faut savoir qu'ici, on se prend pas la tête. On parle de tout et de rien. On joue un peu à tout et rien aussi, même si on est très Nintendo. Mais on se fait kiffer en tout cas. Oh là là. Oh là là. Mais bon, on est vraiment un V1 là, Shirachu Sheima là. Un V1 Un VR robot. C'est très drôle dit comme ça. C'est très très drôle. Philippe. Merci beaucoup French Play MoGamer. Ouais, MoGamer, ouais. Merci beaucoup pour le follow, bienvenue. Comment vas-tu? Bref, faut savoir aussi quand même que le monde de Twitch est très 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 petit. Hein. Vraiment dans les streamers qui vont aller je sais pas plus entre je sais pas 20 et 100 viewers en moyenne à peu près. Genre le monde est très petit. On se connaît pas tous non plus mais je vois que t'as déjà entendu les pseudos quelque part parce que en fait tu connais des gens qui eux-mêmes connaissent des gens que t'as déjà vu raid etc et ouais c'est le bordel. Bon bah je me suis fait un peu souiller les gars. Non. Oh non. Alors je ne sais pas qui est le petit monsieur Splatoon, mais je suis désolé hein. Vraiment désolé hein. Gatien, je suis désolé. Gatien, j'espère que tu me pardonnes hein. Bah c'est pas que j'étais crevé, c'est juste que je faisais beaucoup de choses, tu vois. Je prenais le temps quand même de dormir mais en fait le truc c'est que derrière j'avais plus de vie sociale. T'en faisais trop. Ouais, je sais que j'en faisais trop. Je sais, mais tu sais, c'était dans une période où je me suis dit, bah vas-y, écoute, qui ne t'entraîne à rien. On verra ce que ça donne, mais maintenant je sais, tu vois, je sais mes limites, je sais comment moi je fonctionne. Tu vois, en vrai, j'ai appris beaucoup sur moi dans ma vie. Genre, grâce à ces expériences-là, tu vois, grâce à la Web TV, j'ai appris beaucoup sur moi. Tu vois, c'est malheureusement, c'est. Enfin, après, je dis pas du tout, il faut. N'allez pas jusqu'au burn-out, hein. N'allez pas non plus. J'ai pas fait un burn-out, hein. Mais n'allez pas, ne poussez pas trop loin dans l'extrême. Mais c'est vrai que j'avoue que ce moment-là, tu vois, ça m'a permis de comprendre, bah ok, genre ce que je veux pas, et mais après, humainement, c'était fou. Genre, la Web TV, c'était une très belle expérience, tu vois. J'ai appris à monter une chronique, j'ai appris à faire des émissions avec d'autres personnes. Enfin, j'ai appris beaucoup de choses, même niveau humain, je me suis fait plein de copains et tout. Bref,
Et coucou Zorua, comment tu vas? La forme et toi mon Hugo, ça va un petit peu mieux? Ça va bien quand même, t'es chaud quand même. Bah en vrai, il faut que je pourrais être meilleur. Mais c'est ce que je dis souvent en fait les gars, c'est que en fait quand je joue en stream, bah forcément je suis aussi concentré sur le chat. Et mine de rien, bah forcément c'est plus compliqué de gérer le chat et en même temps de gérer le jeu aussi. Donc c'est vrai que j'avoue que j'ai un meilleur level hors stream, mais on se débrouille bien. On se débrouille bien quand même. On a le petit level, je suis désolé Gatien. C'est sûr, je suis désolé. J'espère que tu sauras me pardonner en tout cas. Mais bon voilà, sachez-le, maintenant ma vie est plutôt est mieux gérée. Même si pour l'instant bah, les projets sont un peu à la genèse. Mes projets sont mieux gérés, je me libère du temps, je me fais des petits voilà, des petits moments off et ça fait du bien. C'est ça aussi qu'il faut pas. En fait il faut pas s'oublier non plus. Faut dire qu'on a. Ah! Qui? Attends, c'est qui t'a parlé de moi, Irian? Comment ça? C'est qui? C'est qui que j'aille le fumer? Ou la fumer? Est-ce que. On vit dans. Comment ça? Les gens ils parlent de moi? Les gens, genre, ils disent. Ouais, va voir ce mec là et tout. C'est un énorme connard. Ouais. Quoi, les gens ils font de la pub? Non, mais c'est trop quoi. Non, mais on vit dans quel monde là? Mais ouais, la violence, on parle de moi! Non mais c'est aberrant. Moi je trouve ça fou. Les gens ils font de la pub sur ta chaîne quoi. Ils disent oui allez voir ce mec là, il est super gentil. Non. Ah c'est aberrant, c'est aberrant ça. C'est aberrant. Le mi-jaune du canon. Attends, j'ai pas vu les autres mi. Moi pour l'instant je suis désolé mais Roblochon il est top 1. Roblochon il est top 1 des mi là pour l'instant. Il est vraiment top 1 des mi. Genre avec son skin de Goomba, il fait beaucoup rire. Après t'inquiète, dis-toi danger, dis-toi que c'est aussi à force de jouer que tu t'améliores. Genre très honnêtement, c'est parce que je joue aussi tous les mardis, que je commence un peu à m'améliorer, que je commence à avoir un petit level. Mais bon. Oh le sky! Moi je trouve que tu es méchant, mais ouais putain. Est-ce que je mérite ça? Non mais le sky, je veux bien que je sois méchant, mais est-ce que je mérite ça? Non mais est-ce que je mérite ce qui vient d'arriver? Est-ce que je... Non mais... Non mais... Ah mais frère! Mais comment ça je mérite ça? Tu faisais quoi en gros? Oui j'écoutais absolument la conversation. Non mais c'est des émissions, on parlait d'actu manga, d'actu bah, de la vie de tous les jours, on parlait de jeux vidéo, on parlait... on avait des petits concepts, etc. Et c'était sympa, ouais. Comment ça, Irine? Comment ça? Mais c'est qui? Je veux un nom. Oh, comment il va le Sky là? Comment tu vas BG? Dit todo mundo pour ouais, tu veux bien Zorua ça hein. C'est pas grave, écoutez les gars, je me suis fait fumer, c'est pas grave. Hein. Merci beaucoup Davidouche, merci à toi pour le follow, bienvenue Davidouche. Comment ça va? Comment il va le Davidouche? Bienvenue à tous, en tout cas coucou les copains. N'oubliez pas qu'ici les potes, on fait tous les mardis soirs un petit tournoi MK, donc si jamais ça vous dit c'est le rendez-vous de la semaine, n'hésitez pas. Mais écoute la forme et toi David. Tu vas bien Davidouche? Moi ouais, je t'appelle Davidouche parce qu'on a déjà un David. Du coup je t'appelle Davidouche. Doublé rock au dernier moment. Ah, Auxan, j'ai eu mal. Hein. On fait avec juste un blocage pour un nouveau... Oh, un nouveau date, Hugo? Attends, avec la... Un nouveau date avec la même personne ou une nouvelle personne? En vrai, il faut pas que tu te bloques. Dis-toi que c'est une mauvaise expérience, que ça arrive dans tous les cas. Et que... Il faut pas que tu te fasses un blocage si jamais ça se reproduit ou quoi. Enfin, justement, pense pas à ce qui s'est passé. Dis-toi que tu repars de zéro. T'es start from scratch, tu repars de zéro et ça va le faire. Et on y croit, mon go, t'inquiète. Et tu verras, il y aura du feeling. Je trouve même aussi, peut-être que bah ça se fera pas non plus, tu sais. Bah écoute, la forme, mon Sky, là, c'est dit quoi en ce moment? J'ai fait une petite pause dans mon boulot pour te faire un bisou. Oh, force des bisous, mon Sky. Et tu me dis, hein, si tu repasses à Bordeaux, un de ces quatre, ou si tu veux qu'on se refasse un petit Eva ou quoi. Franchement, c'était grave cool la dernière fois, j'ai bien kiffé. Donc si tu veux qu'on se refasse un truc, un de ces quatre, je passe sur Bordeaux ou quoi. Avec plaisir BG1, tu me dis. Et force pour le taf hein. Je sais que ça charbonne dur en ce moment mais et nous on se tape des putes, mais on se tape des camions. Galette. Et tu le connais assez bien a priori. Mais il stream. Oh putain. Attends il fait partie parce qu'il y a des gens en VIP mais il y a beaucoup de... Ouais. Y a quelques VIP, c'est ça le truc. C'est qu'on a... Ouais, ça brouille les pistes, je vais pas balancer direct. Alors VIP, c'est-à-dire qu'il est pas ici. Dans tous les cas, c'est-à-dire qu'il est pas là.
Est-ce que c'est un VIP de longue date? Genre peut-être je sais pas, est-ce que c'est un VIP, est-ce qu'il me connaît depuis longtemps? Putain, on va partir sur un qui est-ce les gars. Hein. Tout le monde est ma vie. J'adore les clashs entre Shirachu et Sheima. Franchement, donnez-moi du popcorn et c'est fini quoi. Ah, moi je regarde ça et ça me fait mourir de rire. Sachez-le, c'est beaucoup trop drôle. On sent qu'il y a une vraie haine entre les photos. Regardez beaucoup ça sur YouTube. Bah en vrai on avait les rediffs sur YouTube, mais en soi du coup c'était vraiment full émission sur Twitch. Mais c'était il y a un an en vrai. Et c'était vraiment cool, on avait vraiment kiffé, on se tapait des grosses barres. Je pense que c'est mieux. Si tu veux, y'a pas de soucis, ouais. J'ai la liste si tu veux. Du coup il est dedans, ouais. Bah Bluestone non, parce que Bluestone c'est un pote IRL. Noidy aussi, Turbo Soup aussi, Zelak aussi. T'as Natic, ça fait un bail. Enorme Bushibre aussi, c'est un pote IRL. Wackenstein, c'est un pote IRL aussi. The Cutest Niao, c'est qui? Toto, c'est un pote IRL aussi. Donnarumma, ça fait longtemps qu'il est pas passé. Faxio, si chic en vrai, ouais putain. Soki, c'est qui Soki? SEDM, ok. Julien, Gesh, Borb, Earthmoon, Shegama, le bot Twitch Party, le Zon, c'était quoi? Destroy, Archaro, Ayakis, Patata, Pochimpa, Axu, The Banane, Victor, Seriou, Experange, Vigali, Projet, Fufu, Shkadiak, Cohen, Razi, Ayame. Putain, en vrai, je pensais pas qu'il y en avait autant. Ok, bah voilà, c'est... Donc il est dans la liste. Tu l'as vu, du coup. Irian, tu l'as vu. Ah, vas-y, avec... Mais bien sûr... Ah, je suis trop chaud pour cast, avec plaisir, Sky. Avec grand plaisir, BG. Ouais, je l'enlèverai, je me dis, j'avoue. Mais vous savez, en plus, j'ai reçu un DM récemment d'une personnalité de Twitch, etc., des réseaux, du coup, qui me disait, ouais, et tout, mec, c'est toi qui faisais Twitch Party, etc., parce que, genre, j'aimerais bien faire un juste prier avec mes viewers et tout, mais je trouve plus, et j'ai pas eu les couilles, je lui ai même pas répondu. Il faudrait que je lui réponde, quoi, le pauvre. Oh, merci beaucoup, c'est adorable, Davidouche. Mais c'est qui t'a parlé de moi, Davidouche? Mais trop cool, mais en tout cas, merci beaucoup. Sachez-le, vraiment, c'est... Enfin, c'est une chose que je remercie du fond du cœur à ceux qui parlent du stream, bah, à droite, à gauche. Parce que, bah, sachez-le, le bouche à oreille, c'est aussi une... Bah, c'est super pour découvrir les nouveaux streamers. Et donc, vraiment, merci à ceux qui prennent le temps, voilà. C'est pas obligatoire, bien sûr, hein. Sachez-le, d'être là, déjà, c'est adorable. Mais si jamais vous prenez un peu le temps de, bah, de partager le stream à d'autres personnes, à des potes, à des gens à qui ça vous pensez que ça pourrait plaire, bah, ça fait archi plaisir, sachez-le. Parce que bah, ça soutient beaucoup. Ça soutient vraiment beaucoup bah, la chaîne et le bouche à oreille, ça marche très bien. Quoi, mais Rock, qu'est-ce qu'il y a? Contrôle Tité, donc ça ne doit pas être logique. Comment ça? J'ai eu le pseudo Contrôle Tité, ça ne doit pas être logique. Mais parce que c'est un streamer ou pas? Est-ce que c'est un streamer ou pas? Est-ce qu'il stream? Ça, c'est la vraie question. Le niveau est haut. Ah ouais, le niveau il est très haut là. Bon, il est plus haut que mon avenir, donc ouais. Pas mal. Pas mal ce soir, pas mal. Vous débrouillez bien, les amis. Vous débrouillez plutôt bien. Un spectateur, t'inquiète pas, normalement, tu rejoins la prochaine, Scotta. T'inquiète, y'a aucun souci. Bon, ça se fight, là, entre Danger et Roblechon, non? Ça, ça fait plier. Il y a des petites... J'aime bien ça. J'aime bien quand ça se chamaille un petit peu, bien sûr. On reste poli, tout ça, bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup de streamers dans les VIP. Oui. Ok, c'est dire que c'est un streamer. Du coup, ce serait quoi, mais... Attends, tu suis Earthmoon? Non, tu suivrais pas Earthmoon. Est-ce qu'il continue de streamer? Ça est la vraie question. Putain, ça se rend vraiment en interrogatoire. Qui est-ce, là? Le qui est-ce IRL des streamers, les gars. Bon, bah, le Bowser m'aura dépassé, hein. Mais dis pas ça, Bandy, dis pas ça, t'inquiète. C'est aussi parce que le level est... Comme je vous dis, en fait, à chaque fois, le level est très bon. En fait, le level est très très bon. Et c'est pour ça, en fait, ça peut permettre aussi de vous améliorer. Et pourquoi le nom, tu suivras pas? Attends, quoi? Ah, je sais pas. Ah, ok, non, c'est Earthmoon? Je sais pas. Non, je sais pas du tout, je sais pas. Non, en vrai, je sais pas. Mais en vrai, c'est parce qu'en vrai, tu m'aurais dit Earthmoon tout à l'heure. J'en ai parlé, t'aurais tilté sur Earthmoon quand j'en ai parlé de la Web TV. J'en ai parlé pendant la Web TV, donc t'aurais tilté là-dessus. Donc c'est pas lui, parce que c'est-à-dire que si tu le suivais, t'aurais tilté quand j'en aurais parlé pendant la Web TV. Coucou ici, Matt, comment ça? Putain, on est parti sur... les gars, on est parti, première ligne de Professeur Layton. Ah ouais, mais vraiment, ça compte les points et tout, là. Oh, mais non.
Bah, en vrai, les streamers de la liste, ou des gens qui ont déjà streamé, il y a Natik qui a déjà stream, qui stream plus. Faxio qui a déjà stream, qui stream plus. Psychi qui stream un peu. LC qui stream un peu. Gesh qui a streamé, qui stream plus. Orkun qui stream toujours à l'heure actuelle. Chez Gamin qui streamait beaucoup, mais qui stream plus trop. Zons qui stream un peu. Destroy qui stream un peu aussi. Ouais, non. Vigali aussi qui stream un peu. Putain, bon, on peut. Ah, c'est la galère. Non, mais en fait, tu. En plus de ça, vous voulez me. Non, mais. Je vais encore plus réfléchir. Du coup, je vais encore plus être mauvais sur le Mario Kart, bien sûr. Peut-être que je n'ai pas le volontairement. Ah, non. Bon, au pire, je verrai après. En vrai, ça me stresse. Ça me stresse toujours dès que c'est les gens qui disent oui, je connais telle personne qui m'a dit ouais. Quand je sais pas, ça me fait stresser de fou. Ouais, bah, il stream un peu. Ok, donc c'est pas Earthmoon alors. Il stream quasiment tous les soirs. Il stream un peu. Putain, c'est compliqué, hein. C'est quand même compliqué, hein. J'ai. J'avoue que j'ai du mal. J'ai vraiment du mal. J'ai vraiment du mal. Je sais plus du tout qui c'est. C'est qui? Y'a Rob qui stream. Ouais, je stream un peu, ouais. Un peu vite fait, ouais. Et du coup, c'était cool dimanche après-midi avec Soubi ou pas Ouais, là, c'était cool. Non, je sais pas du tout. Non, mais en vrai. Juste, ça me fait rire. Non, mais c'est cool en vrai. Ça me fait plaisir que les gens parlent du stream et tout comme un endroit où c'est vraiment de la merde. Hop là, les petites. Non, j'ai pas récupéré, mais c'est pas grave. Au pire, on avait encore les bûcherons, mais c'est pas très grave. Je suis une boule d'énergie ce soir. Ah, j'ai tout vous graille. Qu'est-ce qui t'arrive Qu'est-ce qui t'arrive? Merde, alors j'ai pas fait exprès ça. Qu'est-ce qui t'arrive ici, mec? Je suis vraiment. J'étais vraiment troisième et j'avais une bleue. Ah, bon bah ça c'est un peu nul ça. Ça nous fout vraiment dans la merde. Il y a trop plein d'énergie à évacuer. C'est pas du tout, en vrai, juste un pic d'énergie. T'as bien dormi? Je sais pas, ouais. Tu sais, il y a des moments comme ça où. Moi, j'aimerais bien avoir cette énergie là. Enfin, bon, là, je lève, vous avez l'impression, mais. Tu sais que le matin, bon. J'ai un peu la tête dans le fiac. Only up IRL. Ouais, Ismaël, t'inquiète, j'étais en train de prévoir le concept là. Only up IRL. En fait, au début, on va commencer à monter l'Everest et tout, t'inquiète, c'était. Ah, je me suis suicidé là. Vous avez rien vu, je me suis totalement suicidé. Bon bah j'aurai ma réponse après, mais je sais pas. Ouais, parce qu'en vrai, il y en a beaucoup qui stream un peu, quoi. Il y en a beaucoup qui stream un peu. Genre vraiment beaucoup, beaucoup, quoi. Je jump de mon balcon. Bon bah après, éviter de te retomber à zéro, quoi. Hein, on va peut-être éviter, parce que le restart, bon, il est pas trop possible. Et aussi, merci beaucoup pour tous les level up. Merci beaucoup, les copains. Merci à vous. Et toi, ton dimanche vide grenier, au final, j'y suis pas allé parce que je suis une merde et je me suis couché tard et du coup, je me suis pas levé et du coup, j'ai dormi. Voilà, c'est pro. Ouais, c'est bon, je trouverai pas. Non, je trouverai pas. J'ai pas compris. putain. Mais c'était plus coup de boule, même si on a eu chaud quand même. Il faisait 36. Non, c'est lundi qu'il faisait 36, je crois. Non, c'est à la pire, j'ai dormi 3 heures. Mais comment tu fais ici, mate? Mais ça a charbonné aujourd'hui ou pas? Et coucou Bibi. Oh, comment ça va, Bibi? Comment tu vas, BG? C'est plaisir de te voir. Spook m'a mis un coup de pression pour revenir, donc je reviens régulièrement au BG. Bah ouais. Mais là il était dans le lavabo, il t'a appelé et tout. Ouais, je comprends, David. Moi, bon, Spook qui met des coups de pression, ça fait mal. Hein. Non mais je trouverais pas. Hein. Je trouverais pas. Dimanche vite grenier, VS la flemme de Rock, spoiler alert, la flemme a gagné. Oui, bah écoutez, en fait, le problème c'est que. C'est qu'en fait, moi, à la base des bases, je voulais y aller, mais en fait, je sais pas pourquoi. J'ai pas réussi à m'endormir.
En fait, j'ai pris un rythme de merde à cause de cette nuit-là. Je sais pas pourquoi. Et en fait, derrière, il y a eu... il y a eu moi, mon réveil à 7h qui a sonné. Moi qui me réveille à 7h. Et moi qui me dis, ah tiens, est-ce que je vais aller au vide-grenier? Et moi qui me dis, en fait, il faut que j'aille faire du vélo pour aller récupérer la voiture, pour aller au vide-grenier. Et c'est pas la porte à côté. Il était déjà 6h du matin. J'étais en mode, bon, bah, flemme. Voilà. Et du coup, j'y suis pas allé. Mais c'est partie remise. Je serai un nouvel homme plus tard. Voilà. Hein. Je serai un nouvel homme plus tard. Et promis, j'irai. Semaine prochaine, j'irai. J'en ai vu d'autres là. Et je vais éviter d'avoir la flemme, ce serait cool. En vrai de vrai, grosse galère cette rentrée. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Bibi? Qu'est-ce qui t'est arrivé, BG? Ouais, ouais. Pip, pip, pip. Écoute-moi, ça va la forme, Bibi, en vrai. Ça va bien. On va dire que... Après, la rentrée est assez basique. Hein. Il se passe pas grand-chose de mon côté. On va dire que c'est rentrée où je bosse dans mon coin. Et j'attends un petit peu avant de lancer les projets. Donc on va dire, voilà, on prend notre temps. Et Benji, il fallait pas tout spoil, là. J'aurais pu dire, oui, non, je suis allé au vide-grenier et tout, nanana. Ah, ok, McDo, t'as changé de pseudo? Ok, y'a pas de soucis. Maintenant, tu veux que je t'appelle Nico? Comment tu vas, du coup, depuis le temps? Ouais, Roblochon, beau combat. ça fait plaisir, ça, c'est beau, ça se serre la main. Ça fait plaisir. Bon, les gars, je fais n'importe quoi. Non, mais les gars, je fais n'importe quoi. Je suis 12e. Hop, pardon, désolé, Oxens, désolé. Désolé, fallait que je remonte. Du coup, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et coucou, du coup, Nico! J'espère que tu vas bien depuis le temps, ça dit quoi? Du coup, Nico, depuis le temps, qu'est-ce que tu dis de beau? Wep. Mais ouais, du coup, ouais, Super McDo, bien sûr. Bien sûr que je me rappelle. Et je sais pas, en vrai, c'est souvent comme ça, je dors plus. Quoi? Mais attends, moins je dors, plus j'ai d'énergie. Bon, du coup, Godwin Blanche H24 en fait, ils s'y mettent là, qu'est-ce que t'attends là? Hop. Non, mais au pire, y'a pas de soucis, rien sinon on n'en parle pas, y'a pas de soucis, hein, t'inquiète, en vrai, ça va pas me stresser. Hein. Mais c'est gentil de sa part en tout cas, ça fait plaisir. Non, mais c'est gentil, tu vois, merci beaucoup de parler du stream à des connaissances, etc., ça fait plaisir. Ça aide beaucoup en tout cas. Mais en vrai, il y aura une revanche peut-être un jour ou l'autre entre Danger et Roblochon. Ah ouais, let's go, tu bosses dans quoi du coup, Nico? Je sais pas du tout, je pense vers 22h par là, dans ces eaux-là. C'est quoi la fiole à côté de mon pseudo? En gros, c'est parce que t'as donné des beats. Là, c'est parce que t'avais donné 100 beats. En gros, quand tu donnes des beats, t'as des badges de beats, en gros, à peu près. Une rentrée croustillante. Oula, je veux savoir ça. C'est moi qui commencé hier matin, mais j'ai toujours reçu mon emploi du temps et le secrétariat pédagogique est d'une incompétence. Alors, je suis tombé dans le vide, mais c'est pas grave, vous avez rien vu. Mais du coup, t'as quand même mieux cours. T'as pas d'emploi du temps, mais... Ok, donc en fait, ils ont fait ça en mode au jour le jour, quoi. Oh, et ça casse les couilles. Ah non, mais je comprends, en vrai, Bibi, hein. Je comprends que ça fout le seum. J'avoue que c'est un peu relou, quoi. C'est parce que... Mais c'est la fac, ouais. Genre, t'as pas d'emploi du temps à la rentrée. Putain, le bordel. J'avoue que c'est un peu relou, quoi. Je dis ok, on va bien commencer la rentrée. Et non, t'as pas d'emploi du temps, let's go. Bah du coup j'ai pas. Ouais, t'es en fac, ouais, c'est ça. De toute façon, y avait que la fac pour que ça se passe comme ça. C'était sûr à 100%. On va aller hop, récupérer ça, hop, j'ai pas eu de pièces. Faut que je... Oh let's go, j'ai évité la bleue là. La bleue c'est toujours du random hein. C'est vraiment un gros pifomètre. Il y a des moments j'y arrive, il y a des moments j'y arrive pas. Putain, je suis désolé. Si, je suis désolé. Ah bon, bah je me suis fait karma. Ah non, mais je me suis fait karma aussi. Hein. Super caillou. Énervé. Beau caillou et toutou. Je suis un beau caillou. Merci beaucoup, Picarine. Merci beaucoup pour le 25e mois d'abonnement. Merci beaucoup, Picarine. Comment ça va? Ça a été cette rentrée, j'espère. Parce que tu peux pas forcément en parler, mais j'espère que ça allait. Pip, 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 pip. Ça marche. Bonne soirée à toi, Irène. Bonne soirée. Pip, 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 pip. Ça y est, en boulangerie, donc j'ai pas. Ah oui, y'a pas de soucis, Nico, mais je suppose que ouais, ça se couche tôt du coup. Je suppose que ça se passe bien en boulangerie. Genre, ouais, c'est vrai que c'est quoi, c'est. Tu commences à quoi, 2-3 heures par là, dans ces eaux-là? Tiens, mais je me fais ridiculiser, les gars. Ah, je me fais ridiculiser. Les games, elles sont tellement dures. Et du coup, attends,
Du coup, t'as pas cours en fait. Genre, même si t'as pas d'emploi du temps, t'as quand même pas cours. Bon, après, du coup, ça fait un prolongement des vacances, donc ça se met bien. C'est dégueulasse! Donc, j'ai entre l'administration en attendant de recevoir un mail ou un truc qui me disent c'est bon, vous avez enfin un emploi du temps. Bon, après, j'ai envie de dire, ça fait des. Ouais, en théorie, t'as cours, mais entre guillemets, ça fait des vacances. Weep. Recherche de joueurs, veuillez patienter. Ah, vous avez terminé le nombre de courses. Ok, bah moi j'ai fini. J'ai vraiment fait un... Non, j'ai vraiment fait... En fait, la dernière room, je me suis fait éclater .com. Je me suis fait détruire. Et donc c'est pas grave. C'est la vie. Ne parlez pas de rentrée. Je me ferai rentrer vraiment dans pas longtemps. T'inquiète, ça va le faire. Ouais, on parle de mon score de merde. Mais j'ai vraiment fait n'importe quoi. Hein. Vraiment, j'ai fait n'importe quoi. Hein. Ah bah je suis égal... Ah non. Putain. Caillou Cup 2, j'ai fait 120 points, mais je... Fait 13ème. Non mais je sais que vous m'avez habitué à mieux, hein. Vous m'avez habitué à mieux, je sais. Mais j'ai vraiment fait n'importe quoi, hein. Là, je suis vraiment désolé, hein. Dans ma tête, j'aurais pensé vraiment mieux faire, mais Putain, j'ai vraiment fait des... Ah non, j'ai vraiment fait un score de merde, hein. Ah putain, je suis désolé. Je suis désolé, les gars. Bon, avant, c'était à rentrer. Je rentre pas, du coup, ici. Merci beaucoup, Nico. Merci beaucoup, c'est adorable. Merci beaucoup pour le sub, le deuxième abonnement, ça fait plaisir. Bienvenue. C'est gentil. Bienvenue chez les cailloux. C'était fort. Vous l'avez entendu super fort, je suis désolé. Si ça vous a ruiné vos tympans, je suis désolé. Mais celle-là, elle veut pas. Hein. J'ai fait les modifs et tout, genre celle-là, elle veut pas. J'ai ma pack, GG. GG à toi. Putain, non, franchement, vous avez géré, hein, les gars. Moi, je me suis fait détruire. Hein. Je ferai ouvrir en deux. Bravo pour ta 16ème place. Je sais pas si je dois déceler l'ironie ou pas. Attendez, on va... Attends, du coup, je redémarre le jeu pour voir vite fait, le résultat final. Mais merci beaucoup, en tout cas, Nico. Merci beaucoup pour le deuxième mois d'abonnement, c'est adorable. Moi, je connais le campus comme ma poche. Ouais, mais j'espère que tu t'y plairas, quand même. Ouais, j'espère. Ah, t'as pris 3 mois. Oh, merci beaucoup pour le 3 mois d'avance. Attends, j'avais pas vu. Ah ouais, mais du coup, merci beaucoup, c'est gentil. Je sais pas, j'arrive pas à le voir, mais merci beaucoup. Merci 1000 fois pour les 3 mois d'avance. Ça peut aller, la rentrée c'est plutôt bien passé. Bon bah c'est cool après. Bon après ça va être la reprise du rythme, etc. La reprise de tout ça. Franchement le travail ça se passe. Bon c'est principal en vrai. Je suis content pour vous si le travail se passe bien et tout. En tout cas grosse force à vous, gros cœur sur vous, j'espère que ça va aller. Ah c'est ça ça. ouais ça va, écoutez. Tout se passe bien, tranquillou, y a pas de prise de tête. Hein, juste faudrait que je me bouge un peu le cul sur certains moments, mais bon. C'est comme ça. Go step up, mais je suis obligé de step up, les gars, j'ai fait 13ème. Enfin, c'est pas mauvais, mais c'est vrai que de base, je m'habitue à mieux, quoi. Je m'habitue à quand même beaucoup mieux, quoi, de base, mais bon, c'est pas grave. Mais du coup, pourquoi c'est Ayame et c'est pas Nicki Minaj, là, qui est 5ème? On prend pas. Déçu. Mais c'est pas grave.